Bonjour, bienvenue aux expériences de paysage retransmises en live sur le Facebook de la FFP, Fédération Française du Paysage, et au pavillon de l'Arsenal. Donc nous accueillons aujourd'hui Éric Alonso, architecte, docteur en architecture, enseignant à l'école d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, dans le cadre d'un DSA d'urbanisme et au sein de l'école, tu le raconteras toi-même, tu actionnes énormément de choses, dont une revue qui s'appelle Marne Documents Architecture. Tu enseignes aussi à Gustave Eiffel de l'autre côté de la rue et peut-être dans d'autres endroits, tu nous diras tout à l'heure. Donc, Éric Alonso a publié deux ouvrages en 2005, Du rond-point au giratoire. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, mais il a repris un petit peu une peau neuve avec les Gilets jaunes. Et cet ouvrage, L'architecture de la voie, histoire et théorie, dont on va parler ce matin, qui a fait suite en fait à ton travail de recherche et qui a été édité en 2018. Ce travail de recherche qui a reçu un prix européen Sola Morales et qui, nous les paysagistes, nous intéresse beaucoup. Parce que c'est toute l'épaisseur, une épaisseur historique vraiment qui est liée à la voie et qui concerne en fait les espaces publics, l'urbanisme et le grand territoire. Donc ce livre est une merveille en fait, c'est un petit dictionnaire à la fois pour tous les visuels parce que vous avez dedans un rassemblement d'illustrations qui traverse les temps sur la voie et donc rien que de regarder les images, je dirais, c'est déjà une lecture en fait. Et vous avez aussi donc tous ces textes que tu as construits qui sont aussi, je trouve, des convergences en fait de points de vue. C'est vraiment particulier. Alors évidemment, toutes les recherches sont un peu des convergences de points de vue, mais là particulièrement, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre bien que la voie, c'est vraiment un champ interdisciplinaire. C'est dans ce cadre-là aussi que ça nous intéresse énormément. Donc évidemment, c'est très lourd ce travail. Il ne va pas pouvoir nous raconter tout en une heure. Donc ce matin, il y a un petit zoom qui est fait sur un des chapitres de cet ouvrage, puisqu'il a quatre chapitres. Et donc plus un chapitre sur un chapitre que tu as intitulé « Le jardin » et qui nous intéresse beaucoup aussi, puisque c'est en fait... un peu un fil rouge 18e, 19e, on va dire, à travers plein de grandes figures qui ont travaillé sur ces grands tracés urbains et sur ces allées, chemins. Et donc toutes ces figures c'est vrai qu'on a récemment à l'école de paysage de Versailles fait une journée de séminaire sur Olmsted. On a fait des conférences autour du travail de Chiara Santini sur Alphan et Luisa Limido qui sont venues ici. Il y a eu aussi une expérience de paysage sur la sortie du livre de L'héritage de Lenôtre. Et donc effectivement, toutes ces figures qui maintenant sont bien connues de nos étudiants dans le domaine du paysage, eh bien, tu en apportes de nouvelles aussi dans cet ouvrage. Et nous sommes très heureux de pouvoir t'accueillir au sein de ce cycle de conférences. Merci. Merci beaucoup. Merci la Fédération française du paysage et donc particulièrement Béatrice Julien Labruyère pour cette invitation. Alors, aussitôt que vous avez diffusé l'annonce de la conférence, un collègue paysagiste m'a envoyé un texto moqueur où il écrivait « Éric Alonso devient paysagiste ». Et il est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi finalement... Pourquoi parler ici de ce livre écrit par un architecte et qui n'adopte pas le prisme du paysage, mais plutôt celui de l'architecture? Alors, pour clarifier les choses dès le départ et ne pas se fâcher, expliquons d'abord que quand je parle ici d'architecture, c'est dans son acception large et englobante. L'architecture, si vous voulez, comme... socle commun des métiers de l'aménagement, qui pourrait très généreusement inclure
l'art des jardins, les sciences de l'ingénieur, l'urbanisme. Pourquoi ? Parce que c'est encore la définition qu'en donnent les traités d'architecture au XVIIIe siècle, comme celui-ci d'Augustin Charles d'Avillers. Si j'agrandis, vous voyez ici le bas de l'image, vous avez dans ce système figuré de l'architecture, hein, vous y trouvez le jardin, mais aussi les voies, mais aussi les canaux, qui sont rassemblés encore dans une sorte de champ de savoir commun qui s'appelle à l'époque l'architecture. C'est d'ailleurs la définition qu'en donne quelques années plus tôt l'Académie d'architecture. Hein ? Je vous laisse lire cette définition de l'architecture, présent de la nature pour suppléer à l'art, pour suppléer par l'art à embellir et orner la terre, etc. Où vous voyez qu'il s'agit aussi bien de parler de la conception des édifices que des jardins, des canaux, des plantations, etc. Voilà, donc c'est cette idée de l'architecture que je défends, qui va bien au-delà des architectes, en gros, de la discipline des architectes actuels. Et lorsque je discute avec des collègues paysagistes, beaucoup me disent d'ailleurs se reconnaître bien volontiers dans l'appellation anglo-saxonne inclusive de landscape architect, qui évite selon eux certaines ambiguïtés que pourrait contenir l'appellation française de paysagiste ou paysagiste concepteur, et de même dont on parlait pour désigner du savoir en question de paysagisme, d'art du paysage ou de paysage tout court. C'est vrai que de ce point de vue-là, landscape architecture évite le malentendu. Alors, on attribue en général l'usage de ce terme composé à Olmsted et Vaux, qu'il aurait utilisé la première fois en 1860. J'en ai trouvé ici un exemple là que vous voyez ici, mais qui est un peu plus tardif, 1868. Hein. Olmsted et Vaux & Co. Landscape Architects. Alors, on estime généralement que ce titre est dérivé de Landscape Architecture qui préexistait, puisqu'il est utilisé dès 1828 par Gilbert Mison, qui va associer ces deux mots dans son livre que vous voyez ici, à gauche, On the Landscape Architecture of Great Painter of Italy. Ce terme aussi qu'on va retrouver dans d'autres livres un peu plus tardifs, comme celui de Loudon sur le paysagiste anglais Repton. Mais, voilà, donc ce terme existait, il y avait Landscape Architecture, les premiers à l'utiliser seraient les Américains, donc on a là effectivement une source anglo-saxonne de cette appellation spécifique. Mais l'historien des jardins et du paysage américain Joseph Disponzio va proposer, et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, après avoir écrit mon livre d'ailleurs, une autre interprétation, puisqu'en fait, il fait remarquer que dans ces livres-là, derrière ce mot « landscape architecture », ce n'est pas ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, c'est tout simplement... ce terme-là, dans ces livres, ne renvoie qu'aux bâtiments construits dans le paysage. On parle des architectures dans le paysage. Et donc, ça ne renvoie pas à cette discipline du paysagiste, en fait. Et il propose une toute autre piste et une toute autre origine. Qui expliquerait pourquoi, par exemple, Olmsted et Vaux se sont fait appeler « landscape architect ». Et c'est le propre fils d'Olmsted, Frédéric Law Olmsted Jr., qui aurait fait l'hypothèse que son père a adopté le titre de landscape architect par traduction de l'expression française d'architecte paysagiste. Voilà. Alors, on sait qu'Olmsted connaît bien la France pour y être venu une première fois en 1850 et encore une fois en 1859, où il visite les travaux d'Alphand. Et notamment le bois de Boulogne. Et
En France, à cette époque, on utilise effectivement ce titre. Par exemple, ici, Louis-Sulpice Varé. Vous voyez là, dans ses documents sur le bois de Boulogne, il se présente comme architecte paysagiste. De même, le célèbre paysagiste Édouard André, dans son livre qui fait référence, se présente aussi comme architecte paysagiste. Il sera d'ailleurs il deviendra un grand ami d'Olmsted. Et donc, si l'origine de ce terme architecte paysagiste est française, à quand remonte-t-elle? Alors, selon Disponzio, elle serait utilisée la première fois par Jean-Marie Morel dans l'almanach de la ville de Lyon de l'an 12, c'est-à-dire des années 1803-1804. On le voit ici. Voilà, vous voyez ici Morel, je ne l'ai pas... voilà. Attendez, Morel. C'est pas vrai, j'ai pas mis la bonne diapo. C'est pas grave. Deuxième, ça y est, voilà. Architecte paysagiste du premier consul à Paris. Voilà. Ça serait la première fois qu'on aurait cet assemblage des deux mots. Alors, qui est ce Jean-Marie Morel, pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est un créateur de jardin qui conçoit notamment le parc d'Hermenonville avec son propriétaire René-Louis de Girardin. Et il est l'auteur d'un traité des jardins, hein, d'un traité de théorie des jardins en 1777, qu'on a un peu oublié. Et pour se rapprocher de notre sujet, je vous ai montré ici, je diffuse ici un extrait où il consacre une part significative de son texte aux carrières, c'est-à-dire aux voies destinées dans les jardins, aux déplacements rapides des fiacres ou des cavaliers. Et Morel reprend la notion de carrière, qui est la traduction de riding en anglais, qu'avait utilisé Joseph Thomas Whately, cet homme politique et écrivain britannique, dans son traité sur l'art des jardins, qui était paru en français 5 ans plus tôt, un des plus complets sur la tradition du jardin anglais. Mais Morel se présente aussi comme architecte tout court. Il a suivi les cours de Jacques-François Blondel à l'École des Arts vers 1758, tout comme d'ailleurs un autre célèbre créateur de jardin, William Chambers, qui est le paysagiste qui a fait le jardin de Kew, hein, quelques années auparavant. Et il est aussi, Morel, ingénieur des ponts et chaussées. Il est formé... dans ce qui s'appelle, pas encore l'école des ponts et chaussées, qui s'appelle le bureau des élèves des ponts et chaussées, qui est dirigé par l'ingénieur Jean-Rodolphe Perronnet. Et donc voilà, celui qui est à l'origine, celui qui se serait fait appeler le premier architecte paysagiste, est un créateur de jardins, architecte et ingénieur des ponts et chaussées. Ouais. Je vous... Au début de sa carrière, d'ailleurs, Jean-Marie Morel participe à la conception, à la construction d'une cinquantaine de kilomètres de route dans la région lyonnaise. Et ici, en bas, vous voyez le type de document que produisaient les ingénieurs des ponts et chaussées de cette époque. Voilà, alors cette longue digression introductive à partir de cette appellation de paysagiste, landscape architect et architecte paysagiste, n'est donc pas tout à fait hors sujet, puisqu'il nous ramène, on le voit, directement à l'objet de mon livre, où la voie sert d'objet transverse qui permet de relier toute une série de figures habituellement dispersées dans les différentes histoires disciplinaires. Hein. Les gens se plaisent à faire les histoires de l'architecture, les histoires des jardins, des paysagistes, etc. Et on trouve ces figures-là quelquefois, mais très souvent écartelées. Et donc, Morel est un des personnages de cette histoire diagonale qu'offre la voie, tout comme Blondel, Perronnet, Chambers, Whately, Loudon, Olmsted, Vaux, Varé, André et beaucoup d'autres. Alors, cet ouvrage est à l'origine issu d'un cours magistral que je dispense depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années au sein de l'école d'architecture de la ville et des territoires, autrefois Marne-la-Vallée, maintenant Paris-Est,
dont le programme pédagogique fondateur doit beaucoup à un paysagiste, Alexandre Chemetov, qui avait écrit ceci, qui avait participé au projet fondateur de l'école que connaît très bien Charles, qui est au fond de la salle, puisqu'il a fait partie également de cette aventure. Sorte de projet de synthèse, un petit peu de réunification des métiers de l'aménagement, et qui se caractérisait par une attention portée à la conception des infrastructures et des voies. D'ailleurs, à cette époque, Alexandre Chemetov, plus largement, au-delà même du projet de cette école, s'intéressait beaucoup aux objets infrastructurels pour expliquer comment on devait aujourd'hui retrouver une synthèse des savoirs et des savoir-faire en matière d'aménagement. Il se servait du cas, par exemple, des autoroutes pour parler de cette conjonction des savoirs qu'il faudrait retrouver en cette fin du XXe siècle. Et donc, dans cette école de la ville et des territoires, il y avait un cours qui s'appelait Histoire et actualité des infrastructures, et qui était dispensé les premières années par Stéphane Hirschberger, qui était un de ses collaborateurs à l'époque. Et puis, je lui ai succédé, et c'est ce cours qui m'a. Qui a nourri mes travaux, qui avait donné ce livre. Ce livre a également été alimenté par des recherches menées au sein de l'Observatoire de la condition suburbaine, un laboratoire de cette école d'architecture, et notamment à travers une publication que l'on a fondée avec Sébastien Marot, qui s'appelle Marne, documents d'architecture, et qui est qui a une parenté assumée avec la première série de la revue Le Visiteur. Parenté assumée, pas simplement pour la question des couleurs, mais aussi dans le propos. Voilà. Et donc, plusieurs articles de cette publication périodique Marne abordent la question des infrastructures. Ici, on le voit avec la quatrième de couverture de volume 2 qui montre les autoroutes de Henri Prost dans son plan pour la région parisienne. Et ici encore, dans le volume 4, je crois, la traduction que l'on propose de l'article de Jörg Konzett, cet ingénieur des Grisons, sur les murs de soutènement. Voilà, j'aborde également cette question des infrastructures sous l'angle du projet dans une formation qui s'appelle le DSA d'architecte urbaniste. Aux côtés de mes collègues initialement Yves Lyon, puis pendant longtemps Frédéric Bonnet, aujourd'hui Pierre-Alain Trévelot, mais aussi avec des paysagistes comme Christophe Delmar et actuellement Thibaut Barbier d'Atelier Georges. Et c'est une formation qui travaille à partir de commandes réelles et qui forme des architectes et des paysagistes. Et donc, et la question de l'architecture de la voie y est très présente. Alors, passé cette mise en contexte, venons-en directement au livre, L'architecture de la voie, histoire et théorie. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de retracer la manière dont la voie, alors la voie, j'entends par là chemin, rue, route, autoroute, parkway, la manière dont la voie a été pensée et conçue comme un objet de l'architecture, architecture au sens large, je redis pas ce que j'ai dit au début. Alors, je ne suis pas le premier à avoir adopté cette lecture généalogique. En 2010, par exemple, Kelly Shannon et Marcel Smets avaient publié un catalogue raisonné de plus de 70 projets de routes, autoroutes, ponts, gares et passerelles, réalisés par des architectes ou des paysagistes depuis le milieu des années 90. Et ils en dégageaient une série de postures conceptuelles qu'ils introduisaient par la relecture de précédents hérités de la culture architecturale, urbanistique et paysagère depuis le milieu du XIXe siècle. Cette mise en perspective historique a été faite également dans l'exposition qui a eu lieu à la Cité de l'architecture en 2012, qui s'appelait Circuler, dont je vous montre, je vous affiche un extrait du catalogue. Alors, le récit qui se dégage habituellement de ces histoires se déroule en général en ville, hein, c'est la ville, le cadre, après la métropole, et repose sur une périodisation en trois temps. D'abord, on aurait une sorte de grande époque de la circulation animale, hein, où l'automobile n'existe pas, dont l'âge d'or triompherait au XIXe siècle,
et avec le modèle du boulevard haussmannien d'un côté et du parkway de l'Homestead de l'autre. Et puis, patatras, l'automobile arrive, deuxième période, qui va entièrement changer la donne et nourrir les thèses d'un urbanisme fonctionnaliste, etc., dont on peut déplorer les méfaits, etc. Et enfin, troisième période. Troisième période apparaîtrait vers la fin du XXe siècle, avec une montée en puissance des politiques en faveur des transports en commun, du vélo, les tramways, etc. C'est l'époque du retour de la rue. Voilà, on aurait une histoire comme ça en trois temps. Et cette histoire-là accorde aussi, de ce fait, une place singulière au XXe siècle, qui est ce siècle des avant-gardes et des ruptures stylistiques, et qui coïncide parfaitement avec l'irruption de l'automobile. Autrement dit, il y a un avant et un après l'automobile, et une ère nouvelle de la voie débuterait avec ce XXe siècle des métropoles et de l'automobile. On le voit ici dans la couverture du célèbre espace-temps architecture de Gédion, hein, qui met en premier plan un échangeur autoroutier aménagé à New York sur un fond de jardin de Versailles, hein, avec un contraste de couleurs fort pour marquer le changement d'époque et d'espace-temps. On le voit aussi dans ce type d'image d'une station-service allemande où il y a une sorte de zeitgeist, d'air du temps total, comme ça, où l'automobile aurait façonné un paysage entièrement nouveau et formerait avec lui un ensemble indissociable qui fait que, voilà, qui fait que le XXe siècle se décrocherait des siècles précédents, dès lors qu'on l'aborde sous la question de la voirie, de l'automobile, etc. Eh bien, mon livre propose en fait une toute autre histoire assez différente de cette histoire-là. On le voit par exemple dans cette image qui est une photographie de Germaine Krull, 1926, place de l'Étoile. Paris est le berceau de l'automobile. Les premières automobiles sont des véhicules assez fragiles qui nécessitent tout un réseau d'entretien, etc. et qui nécessitent de pouvoir circuler sur des voies de qualité. Or, une des raisons pour lesquelles Paris est le berceau de l'automobile, c'est que Paris avait réalisé ses travaux sous Haussmann et bénéficiait des boulevards et des voies haussmanniennes. Et bien sûr, boulevards et voies haussmanniennes qui n'étaient pas du tout conçus pour l'automobile, qui étaient des voies héritées du temps des voitures à chevaux. Hein. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a là, qu'il ne faut pas confondre l'histoire du support avec l'histoire du mobile. La voie existait avant l'automobile et existera certainement après l'automobile. Et donc, mon livre essaye de montrer comment on peut aller très loin jusqu'à considérer, et j'essaye d'affirmer, défendre cette thèse, que tout ce qu'on considère, tous les dispositifs que l'on considère habituellement propres à l'automobile ont été inventés avant l'automobile. Et même pour beaucoup d'entre eux dans les jardins. Alors, je débute souvent mon cours comme ça et je demande de me citer des tas d'exemples, ouais, les autoroutes, les ceci, les cela, les ronds-points, les carrefours à voies superposées, etc. Je fais une liste et puis en général, ça marche quand même. J'arrive à la fin du cours à démontrer que tout a été inventé avant. Alors, je vous en donne déjà les conclusions, je vous donne déjà la fin. La question de la modélisation des flux dans la conception des voiries, c'est le cas, on le retrouve bien avant l'apparition de l'automobile, les îlots piétons protégés des voitures. Pensez que la question de la voiture, on parle de voiture avant l'automobile, une voiture à chevaux, hein, une voiture hippomobile. Le principe du carrefour à voies superposées, avec tous les jeux de bretelles et de rampes d'accès. Des réseaux de voiries sur plusieurs niveaux, en fonction du type de circulation. Le carrefour giratoire, le cul-de-sac, la
la ségrégation de la circulation selon les vitesses et les modes de déplacement. Et enfin, l'accès réservé, la route à péage. Alors, du coup, si on ne peut pas se servir de l'arrivée de l'automobile pour parler de tout ça, comment, et qu'on est obligé de prendre en charge une histoire bien plus ancienne, comment on la découpe? Et donc, je propose plutôt que de. J'ai essayé plutôt que de faire une histoire purement chronologique, de la découper en ce que j'appelais trois paradigmes. C'est-à-dire essayer de voir depuis l'Antiquité romaine comment la voie a été pensée comme relevant de l'édifié, du monument, si vous voulez, comme une réalité construite. Puis, je remonte là cette fois-ci au XVIIe siècle et j'observe comment la voie a eu comme laboratoire le jardin. Et puis, une histoire que je fais remonter au XVIIIe siècle, même si on pourrait un peu remonter un peu avant, qui essaye d'étudier comment la voie a été conçue en fonction du flux qu'elle supporte. Et tout ça est une histoire qui s'achève au début du XXe siècle, quand la circulation automobile encore n'existe pas, ou n'est pas, l'automobile est inventée, mais encore elle n'est pas significative dans l'espace urbain. Et la dernière partie est justement s'attache à regarder ce que l'automobile va changer ou ne pas changer. Justement. Alors pour ce cycle dédié à l'expérience du paysage, comme l'a dit Béatrice, j'ai choisi plutôt de survoler la partie dédiée au jardin pour pouvoir dialoguer peut-être plus étroitement avec les objets qui vous intéressent. Et qui est une partie, la question du jardin, effectivement, on n'y pense pas en premier lieu quand il s'agit de parler de route et d'autoroute. Tant l'imaginaire du jardin paraît aujourd'hui opposé à celui de la circulation, quoi, voire même antagonique, quoi. Quand on est dans un jardin, on n'est pas dans une autoroute, quoi. Bon. Alors, malgré tout, cette hypothèse, cette piste n'est pas si nouvelle que ça, non plus. J'ai des prédécesseurs vénérables. C'est-à-dire que considérer le jardin comme le laboratoire où ont été expérimentés les types d'aménagements qui seront ensuite transposés en ville n'est pas nouveau. Cette généalogie avait déjà été mise en évidence à la suite de Pierre Lavedan par Gaston Bardet dans « Naissance et méconnaissance de l'urbanisme » qui écrivait ceci. Parmi tous les arts, il en est un qui englobe l'art urbain et qui doit lui servir de parrain. C'est l'art de l'aménagement de l'espace connu à l'époque qui nous occupe sous le nom d'art des jardins. Nous trouvons dans le plan du parc de Versailles tous les principes de l'urbanisme contemporain. Alors cette thèse-là, précisément, le second paragraphe, est au cœur d'un ouvrage plus tardif, de 90, de Thierry Mariage, « L'univers de le nôtre, les origines » de l'aménagement. Et donc, vous voyez, le nôtre à l'origine de l'urbanisme et donc de l'art de dessiner les voies principalement. Et ça, il ne s'agit pas d'une interprétation d'historien a posteriori, mais bien celle des contemporains, puisqu'on a ce fameux passage de l'abbé Laugier au XVIIIe siècle, dans son essai sur l'architecture, qui écrit « Il faut regarder une ville comme une forêt. Les routes de celle-là sont les routes de celle-ci et doivent être percées de même. Il faut que le nôtre en dessine le plan. » Donc, vous constatez qu'il y a bien... D'abord, pour parler de ce transfert, on utilise principalement la question de la voie. Et donc, il y aurait comme ça une sorte d'antériorité de... pensée de la voie qui serait du côté de l'art des jardins. Et donc l'émergence de cet objet, la voie, se constate effectivement dans les faits, puisque si on prend cette vue de Paris à la fin du XVIIIe siècle,
on s'aperçoit qu'il y a assez peu de transformation de l'espace urbain qui a été réalisée, ordonnée, mise en géométrie, mais qu'en revanche, si on décadre et qu'on prend la carte des chasses, là, on s'aperçoit que du côté des jardins et des grands parcs franciliens, il y a là toute une recomposition forte, massive, à base de grands tracés, d'allées, d'étoiles, etc. Et qui se manifeste, bien entendu, de manière extrêmement sophistiquée dans l'art de Le Nôtre et de ses contemporains. Alors qu'on va retrouver notamment dans l'aménagement des forêts de chasse. Et on peut le suivre aussi, l'émergence de cet objet, au sein de la littérature dédiée au jardin, qu'elle soit écrite, que ce soit des livres de jardinage ou des traités d'architecture qui consacrent une partie à la composition des jardins, on voit émerger un objet qui s'appelle l'allée. L'allée qui va avoir à cette époque deux fonctions principales, ouvrir les perspectives et servir de support à la promenade. Donc là, je vous montre quelques citations. Peut-être vous laisser le temps de les lire toutes, mais pour vous montrer que c'est vraiment un vrai sujet. Et lorsqu'on veut trouver un propos spatial, dimensionnel, esthétique sur les voies, il faut plutôt aller regarder les traités qui parlent des jardins. Alors, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que la question de la promenade des jambes tout autant que des yeux va être un élément très important du jardin. Et il est clair que pour se déplacer, pour avoir une infrastructure adaptée au déplacement de loisirs, pendant très longtemps, il n'y aura que le jardin pour faire ça. La campagne, les routes de campagne, etc., ne sont pas souvent très adaptées. Pour la marche, oui, mais dès lors qu'on a une voiture, un fiacre, c'est pas sur la route de campagne qu'on peut avoir ce plaisir-là. Et je ne parle même pas des rues en ville qui sont extrêmement encombrées par toute une sorte de circulation. Donc, en gros, le jardin accueille assez volontiers, est conçu en partie pour accueillir cette promenade, ce déplacement de loisirs, qu'il soit à pied, à cheval ou en voiture. Et puis, vous voyez constamment des allers-retours entre ville et jardin qui sont très souvent abordés par les mêmes auteurs, dans une forme de continuum. Et d'ailleurs, on trouve certaines analogies dans les dispositifs préconisés. Et alors, c'est assez émouvant de constater qu'on connaît très peu de dessins de la main d'André Le Nôtre. Il y en a, je crois, 4 ou 5 tout au plus, dont celui-ci. Qui est fait par les collaborateurs de Le Nôtre, mis à part la rectification du tracé en rouge qui aurait été dessiné de la main d'André Le Nôtre. Et c'est un projet de route. Cette figure de cette propriété du jardin qui apparaît à cette époque très clairement comme un laboratoire des formes d'aménagement et des voies se retrouve ici dans ce document qui est une planche qui sert à l'instruction cartographique des élèves des ponts et chaussées, hein, l'école par laquelle va passer Jean-Marie Morel dont j'ai parlé au début. Et vous voyez comment un des exemples qui est exemple enseigné aux ingénieurs, c'est le jardin régulier. Et vous connaissez certainement aussi ces cartes qui sont les cartes des élèves des ponts et chaussées qui sont là pour c'est issu de concours qui sont des épreuves dans leur scolarité pour valider leurs compétences à dessiner et à cartographier. C'est souvent des sujets libres, on leur demande de dessiner un territoire de leur choix, et donc c'est une
porte ouverte sur l'imaginaire des ingénieurs de cette époque-là. Et quand on ouvre cette porte, qu'est-ce qu'on voit? On voit là aussi un territoire organisé par des voies, des allées, des étoiles, comme un grand jardin. Et d'ailleurs, cette qualité graphique, cette compétence, ce savoir dessiner, cartographier des premiers ingénieurs se retrouve parfaitement dans l'Atlas de Truden, qui est ce recueil des cartes réalisées sur le terrain par les premiers ingénieurs des ponts et chaussées. On voit ici un plan de Jean-Rodolphe Perronnet, donc cet ingénieur qui est le premier directeur de l'école des ponts et chaussées. On est ici à Dijon. Et donc on voit qu'il s'agit tout à la fois d'un projet d'extension de la ville, de création d'un port sur le canal et de l'aménagement d'une série de routes raccordées au bassin, raccordées au port sur le canal. Et l'on voit comment finalement la conception de tous ces éléments participe d'une même grammaire qui est celle de l'art du jardin. Alors, bien entendu, on va avoir quasi simultanément un rapprochement de ces formes et une introduction de ces formes en ville, où la ville va se faire autour de ces éléments paysagers que sont les allées. Alors, vous connaissez bien entendu beaucoup, ils enseignent ou ils sont étudiants à Versailles. Sachez bien sûr que symétriquement au trident qu'André Lenôtre aménage côté jardin, il y a ce grand trident qu'organise la ville neuve de Versailles, conçue également par André Lenôtre. Et il ne s'agit pas d'avenues qui sont des analogues des allées plantées du parc. Ce sont des allées. Je ne sais pas si vous savez, l'avenue de Paris, la centrale, l'avenue centrale de ce trident fait 90 mètres de large. Ce n'est pas du tout une rue du XVIIe siècle. On n'en trouve que dans des jardins. C'est véritablement une allée, quoi. Une allée, donc un élément de jardin qui va servir d'armature à la création de la ville. On a une autre, ici à Paris, il y a une autre grande occasion de rencontre entre l'allée et la ville, c'est quand il y a l'ouverture d'une perspective centrale à l'ouest qui prolonge l'axe central du Jardin des Tuileries, qui va s'appeler d'ailleurs sur une portion principale et pendant un temps l'avenue des Tuileries, et qui va devenir les Champs-Élysées. Et c'était d'abord, d'ailleurs au départ, un projet de trident, puisqu'il devait y avoir une voie vers le nord, vers le Faubourg Saint-Honoré, qui ne sera pas créée. On est là, à l'époque, en limite ouest de Paris, c'est la campagne, et donc les Champs-Élysées, connues plus tard pour être la plus célèbre avenue du monde, est en fait un tracé paysager, un prolongement de la perspective centrale du Jardin des Tuileries dans la campagne, et qui n'est pas prévu à l'époque pour être une armature d'extension urbaine. Mais qui le deviendra, et même très tard au XXe siècle, puisqu'encore il inspirera le positionnement de l'Arche de la Défense. Voilà quelques images qui montrent la perspective initiale, hein. Et puis comment finalement, progressivement, tout cela va être, la ville va se faire autour de cette grande composition paysagère. Alors, il y a une branche intéressante qui est le cours La Reine, situé plus bas. Le cours La Reine, vous voyez, c'est étrange quand on le voit comme ça, parce qu'il y a une sorte de double trait qui l'entoure. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est une allée, mais qui est une allée fermée, quoi, qui ne communique pas, qui est clôturée. Effectivement, c'est le cas. C'est un jardin rectangulaire qui est réduit à son élément principal, qui est l'allée. C'est un lieu entièrement dédié
à la promenade. Et on raconte que c'est Marie de Médicis qui aurait importé de Florence la pratique du corso, le plaisir comme ça de se promener uniquement. Donc, c'est, si vous voulez, le cours La Reine peut être considéré comme finalement un jardin, c'est ça, qui est entièrement dédié au déplacement. Et puis, bon, bien sûr, à Paris, plus globalement, et dans beaucoup de villes, on va le voir, il va, la pacification du pays menée par Louis XIV va faire qu'on va reporter les défenses militaires et les fortifications en périphérie du territoire national, et les villes ne vont plus tellement avoir besoin de leur rempart. Et c'est comme ça qu'on va aménager les boulevards. Boulevard, qui est un terme au départ militaire, hein, qui renvoie au rempart. Et le rempart n'est pas qu'un mur, c'est toute une bande épaisse, une emprise, souvent formée par un remblai des blés. Et donc, au cours du XVIIe, XVIIIe siècle, vont se libérer autour de la ville-centre ces emprises, qui, comme on le voit ici, ne vont pas immédiatement être raccordées au réseau des voies pour devenir en gros des anneaux de circulation, hein. Ça va être des jardins. Là, vous voyez ici ce qui s'appelle Cour de la Porte Montmartre d'un côté et Cour de la Porte Saint-Martin de l'autre. Saint-Denis, pardon, je ne sais plus. J'ai mon petit. Attends, si je fais ça, ça va disparaître d'après vous si je... C'est Saint-Denis. Hein. C'est Saint-Denis, voilà. D'accord. Mais je peux enlever ça en faisant ça ou ça va mettre fin au diaporama? Déplacer la souris, je crois. Vous voulez en vue directement ? Ouais, c'est ça. Bon, je déplace la souris, ça va partir tout de suite ? Je pense. Ah, voilà. Donc là, vous voyez la rue qui sort de Paris, et puis l'accès aux deux, ce qui s'appelle là des cours, mais on est bien sur des boulevards, qui sont des éléments clôturés. On rentre, on sort, comme dans des jardins. Voilà. Et c'est que très progressivement que les boulevards vont être intégrés au réseau de la voirie parisienne ordinaire. Voici quelques images de à quoi ressemble le boulevard, hein, qui ressemble donc à s'y méprendre à n'importe quel jardin. Ça pourrait être le cours La Reine. Vous voyez encore en 1820, on perçoit à gauche de l'image le surplomb, hein, avec à l'arrière, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'immeuble riverain. On est dans le fossé de l'ancien glacis du rempart. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a là des choses typiquement ici du jardin, c'est-à-dire des grands trottoirs, des espaces pour marcher, ce qu'on va appeler le mobilier urbain, autant de choses qui sont la marque de l'importation de ces allées de jardin en ville. Alors, tout ça ne va pas concerner strictement Paris. Ce phénomène, on le constate à peu près dans toute la France, à travers ce qu'on va appeler les plans d'embellissement. Donc, je vous en montre quelques-uns ici. Plans d'embellissement, d'ailleurs, qui sont le fait de gens qui s'appellent ingénieurs, architectes, économistes, avocats. Les étiquettes professionnelles importent peu à cette époque. Et cet art est largement partagé. Celui de Nîmes, celui de Toulouse. Alors Toulouse qui possède, on le voit ici, une pièce particulière qui est le grand rond, ou plus exactement l'ovale de Louis de Mondran, qui est lui aussi un élément, une pièce exceptionnelle, hein, qui est un grand rond-point paysager. 500 mètres de diamètre dans son plus long diamètre, vous voyez, et les branches font 60 mètres de large. Hein, les Champs-Élysées, c'est 70 mètres de large, vous vous rendez compte? Tout ça dans le faubourg, dans la campagne riveraine de Toulouse. Vous imaginez la forte autonomie spatiale qu'acquiert cet aménagement, qui ne permet pas de l'assimiler une fois encore à simplement des rues de futurs quartiers.
Et on peut considérer que cette tradition-là peut aller jusqu'à les travaux haussmanniens avec Adolphe Alphand, qui est surnommé à l'époque du terme dépréciatif de jardinier, hein, qui est un ingénieur des ponts, qui avait travaillé à Bordeaux. Je renvoie au livre de Gara Santini sur cette belle monographie qu'il a fait paraître sur Alphand. Et Alphand qui est d'abord appelé par Haussmann pour... régler les problèmes au bois de Boulogne où Varré ne s'en sort pas et on appelle Alphand pour recomposer les bois de Boulogne. Et puis après, vous connaissez l'histoire, hein, il va avoir être en tête d'un service qui va regrouper à la fois ce qu'on appellerait aujourd'hui le service espace vert, le service voirie, etc. Et parmi peut-être ces réalisations les plus emblématiques, il y a l'avenue Foch qu'on voit ici, qui s'appelle à l'époque l'avenue de l'Impératrice, qui raccorde les Champs-Élysées au bois de Boulogne. Pardon. Oui. Dont je reparlerai un peu après. Donc là, ici, l'ensemble des percées dont il va s'occuper. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est l'ouvrage qui fera paraître une fois la plupart de ces projet réalisé ou amorcé, les fameuses promenades de Paris, qui se présentent d'ailleurs, qui est introduit par une histoire des jardins. Hein, ça se présente comme un ouvrage qui relève de l'art des jardins, avec une histoire des jardins pour l'introduire. Et puis après, comme vous le savez, le plan, les coupes de tous les squares, parcs, etc. Et à la fin, également, les dessins et les coupes des boulevards, des allées, des voies, comme objet de l'art du jardin. Et voilà donc la fameuse avenue de l'Impératrice, dont je vous parlais à l'instant, qui aujourd'hui on l'appellerait un hybride entre une voie et un jardin, parce qu'alors là, elle bat tous les records, elle fait 140 mètres de large. Hein. Donc là, on a beaucoup plus, ça a beaucoup, l'avenue l'Impératrice, actuelle avenue Foch, a beaucoup plus à voir avec un grand jardin rectangulaire parcouru de voies qu'à une simple voie plantée. Alors, ça c'est une histoire que l'on connaît assez bien en France depuis longtemps, qui a été renseignée, mais moi je me suis intéressé à une autre tradition, qui est la tradition anglo-saxonne, qui est celle du jardin pittoresque, qui a aussi ses protagonistes français, hein, ça serait simplifié que de dire qu'elle n'est strictement qu'anglaise, et qui a comme source d'inspiration principalement la peinture française du XVIIIe siècle, notamment Poussin, Le Lorrain, avec cette idée dans le pittoresque que on va chercher à faire, on va chercher à reproduire, à appliquer ce que les peintres ont représenté, hein, le pittoresque, ce qui mérite d'être peint. Et donc ce sont ces paysages que l'on découvre à l'occasion de ces tableaux qui ont notre sujet, c'est toujours des scènes religieuses, mythologiques, etc., mais qui néanmoins montrent des paysages contrastés, faits de rugosité, de surprise, de contraste, etc., et où la plupart des voies sont sinueuses et ne sont pas du tout dans un registre géométrique, hein, qui était celui de la voie rectiligne, qui était prisé par toute la tradition des jardins réguliers. Et en Angleterre, il va y avoir une répercussion particulière de cette nouvelle manière, cette manière moderne, disait-on à l'époque, de faire ces jardins, aux jardins irréguliers, un contexte marqué notamment par le phénomène des enclosures parlementaires, qui est ce mouvement de la campagne anglaise, cette réforme de l'agriculture pour la rendre plus rentable, qui consiste à venir regrouper un certain nombre de parcelles en open field pour constituer des grands domaines enclos. Je crois que c'est d'ailleurs à travers ça que, enfin, c'est là que Marx voit l'origine du capitalisme. Et donc la campagne anglaise est profondément bouleversée et remembrée dès le XVIIe, XVIIIe siècle. On voit ici, par exemple, des voies qui sont supprimées
et de nouvelles voies qui sont créées pour justement s'adapter au nouveau, à ces nouveaux grands domaines qui sont créés. Et c'est comme ça que les créateurs de jardins qui travaillaient avec les propriétaires de ces domaines, de ces estates, vont être aussi amenés à concevoir des routes liées notamment à ce grand remembrement et déplacement des voies. Il y a un autre élément qui caractérise la transformation de la campagne anglaise de cette époque-là, c'est les turnpike roads, les routes à péage. En Angleterre, on va considérer que, enfin, jusqu'à présent, les routes étaient gérées par les paroisses et à l'échelle locale. Et donc, l'Angleterre ne disposait pas d'un réseau pensé à l'échelle nationale. Et pour le promouvoir, le Parlement anglais va offrir la possibilité de créer des routes à péage, laissées à l'initiative privée, donc créer des voies. Le péage ne devant pas être bénéficiaire, mais devant servir à l'entretien de la voie. Et beaucoup de voies vont être créées en ce sens, parce que les propriétaires y voient une occasion de valoriser leur domaine. Un domaine qui passe à côté d'une voie traversante va être, bien sûr, repéré, vu, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a, en gros, l'ancêtre des autoroutes qui se développent à cette époque. C'est sur cette Turnpike Roads que vont se développer toute une série de... Alors vous voyez ici le premier péage de Saint-Arnoult, hein, ou l'équivalent, avec des poules. Et c'est là que va se développer aussi toute des tas d'éléments en termes de sens de règles de circulation, mais aussi de signalétique qui va se développer dans ces routes à péage anglaises. Voilà, et une façon, ce qui va aussi accompagner cette mise en valeur de l'agriculture et des terres agricoles va être la voie, hein, puisqu'ici, Whateley qui explique que les chemins vont être aménagés, doivent être aménagés à travers différents objets. Devront passer dans des territoires caractérisés par des objets singuliers ou par des cultures qui seraient ainsi mises en avant. Et la manière de dessiner ce chemin permettrait d'amplifier, de valoriser, d'augmenter l'importance de la maison et du domaine qui serait traversé par les visiteurs. Et cette valorisation sera d'autant plus forte que la voie ne sera pas droite, qu'elle prendra des sinuosités pour tirer avantage de la topographie du paysage. Et c'est là, vous voyez, qu'apparaît le terme de carrière, traduit en français, le riding. C'est, si vous voulez, le changement de vitesse. Hein, dès lors qu'on n'envisage plus la promenade comme étant une promenade pédestre, mais une promenade à cheval, donc on va plus vite. Et donc tout ça va modifier la conception de la voie qui la supporte et va permettre un changement d'échelle dans ce travail, cette capacité qu'a une voie à mettre en scène et valoriser l'étendue qu'elle traverse. Donc ça va être aussi repris par Girardin, qui visite l'Angleterre à cette époque. Et vous voyez, c'est assez étonnant parce que, Girardin pense qu'une voie est un élément de valorisation et donc il ne faut pas la cacher, il faut la montrer. Quoi. Vous avez de la chance d'avoir une maison de maître qui passe à côté d'une grande voie. Et donc c'est là qu'il propose le système de AA pour préserver malgré tout, pour pas qu'on rentre dans le domaine, mais pour pouvoir faire en sorte que le domaine puisse être vu depuis la route et qu'on puisse voir la route et les véhicules qui l'empruntent depuis le domaine. Alors bien sûr, le héros de cette période, ça va être Humphrey Repton, hein, qui va être le grand spécialiste. Donc, il arrive après Kent, après Capability Brown, etc. Il arrive en fin de cette période, à cheval entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Et il va être un homme de la route,
non seulement parce qu'il va en concevoir beaucoup, mais parce que lui-même va emprunter énormément la voiture et va parcourir le pays grâce au réseau routier qui s'est développé en Angleterre à cette époque. Bon, vous connaissez ces fameux Red Books avec les fameuses perspectives avant-après. Et beaucoup montrent les questions de voie. Là, vous voyez, avant, ce n'est pas joli parce qu'on ne voit pas la route. Après, c'est plus joli parce qu'on voit la route et les voitures. Alors là, on est typiquement, on se place plus dans le domaine, mais bien sur une route publique, entre guillemets, qui le longe. Et là, il s'agit de montrer comment on a intérêt d'abattre le talus pour que le domaine soit vu depuis la route et que, réciproquement, depuis le domaine, on puisse voir la route. Dans ces différents circuits de promenade organisés dans les parcs, là, ici, il y a des, on en voit trois. Il y a un chemin qui passe en bas, un premier circuit pour des voitures, un autre circuit dont, avec une halte ici et un autre en haut de la colline. Et Repton justifie cette halte en premier plan, là, parce qu'elle permet de voir les autres les visiteurs qui sont sur la colline d'en face, quoi. Donc il y a toute une sorte de mise en abîme du mouvement où on se regarde réciproquement se déplacer dans le parc. Alors c'est très pratique, Repton a beaucoup écrit à l'occasion de ces Red Books et puis il a rassemblé, consigné ses théories dans plusieurs livres qui se trouvent tous sur archive.org par exemple. Vous avez, pour ceux qui lisent l'anglais, certains ont été depuis traduits même en français. Vous avez ces différents livres, observations, fragments, etc. Et donc là, on a toute une théorie de la voie qui se développe avec comment fait-on quand on hérite d'un jardin régulier pour venir introduire des formes courbes. Est-ce que des fois, il ne suffirait pas peut-être de venir couper quelques arbres pour créer ces effets de dissymétrie, etc. Ou bien, comment raccorde-t-on harmonieusement des voies entre elles? Que fait-on si le domaine est un peu étriqué et si la voie circulaire, périphérique, longe, passe trop près des clôtures? Et à ce moment-là, il dit, ben, en fait, il vaut mieux carrément pouvoir avoir une clôture perméable à la vue et considérer que les personnes aussi sortiront du domaine et que le domaine pourra être vu depuis les routes publiques, plutôt que d'arriver à ce dispositif-là, pas très intéressant, qui montre vraiment que le domaine était triqué. Alors, il y a des passages formidables. Par exemple, ici, il est attaqué à l'époque, enfin, certains critiquent ces jardins pittoresques qui tortillent, ou tous tortillent, et que on confond les routes avec les ruisseaux. Et en fait, lui, non, mais il dit, si on confond la route avec les ruisseaux, ça peut être intéressant, mais d'ailleurs, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout et essayons de nous inspirer de la manière dont un cours d'eau formate les berges avec une partie concave et convexe. Et voilà, menons l'analogie, le parallèle jusqu'au bout. Alors, ce qui est intéressant chez Repton, c'est qu'il va réfléchir à une manière de concevoir un domaine avec une superposition de circuits en fonction de différents types de visiteurs. Vous avez les visiteurs prestigieux qui, par les fameuses voies d'approche qui se séparent par des effets de courbes tangentes de la voie principale, comme ça, pour arriver au domaine, mais aussi il y a tout un autre réseau, par exemple, de circuits pour les domestiques qui empruntent d'autres voies. Mais ce qui est plus intéressant, certainement, chez Repton, c'est qu'il va pousser jusqu'au bout cette idée que à chaque mode de locomotion correspond une conception spécifique de voie. C'est-à-dire qu'on ne dessine pas pareil une voie destinée aux piétons, une voie destinée aux cavaliers et une voie destinée aux voitures. Donc là, je vous laisse lire, et ça d'un point de vue constructif, mais aussi d'un point de vue perceptif.
Alors, il apporte, lui, une grande attention, d'ailleurs, aux piétons. Les piétons, il a beaucoup de... Il compatit à ces piétons qui doivent, en plus, maintenant, ceux qui ne sont pas les propriétaires, doivent contourner les grands domaines enclos. Donc là, vous voyez, il propose de leur mettre des bancs, etc. Là, ici, pour son projet pour Beaudésert, il reproche à l'époque un excès de l'usage de la voiture, où il dit, mais les gens, s'ils pouvaient, ils rentreraient en voiture jusqu'à chez eux, se feraient déposer au pied de la cheminée, quoi. Voiture hippomobile, les fiacres. Et là, il propose pour Beaudésert des chemins piétons pour inviter les propriétaires à marcher à nouveau. Et comme ça, ils pourront voir le petit personnel. Et il a même cette attention pour les voies pour adapter au fauteuil roulant. Il a une théorie de la voie PMR développée déjà par Repton. Et alors on voit ici, je ne connais pas de plan antérieur qui, de cette manière, distingue par la couleur des voies selon leur mode d'accès, c'est-à-dire certaines voies pour les piétons, d'autres voies pour les voitures, d'autres voies pour les cavaliers. Et puis j'ai trouvé un document assez inédit, je ne l'avais jamais vu édité nulle part, c'est dans un de ces Red Books. J'en connaissais, avait été diffusé des descriptions, mais là on a l'image. Ici, le domaine est traversé par une route à péage. Et donc il va proposer, pour moi, enfin selon moi, c'est pour la première fois, un passage par en dessous. C'est-à-dire, c'est un des premiers carrefours à voies superposées qui est là pour distinguer deux types de circulation différentes. C'est ce passage-là, AA, et vous avez attention, l'élévation, voilà comme c'est magnifique. Donc c'est une arche qui n'est pas, qui est en fait un viaduc, qui est un viaduc routier, et un passage piéton en dessous, quoi, comme on fait des passages en dessous, des rocades ou des autoroutes. Je regrette juste qu'il n'ait pas dessiné une calèche qui passait, là, qu'il y ait un piéton, mais... Alors, de la même manière, il va y avoir aussi une... attendez, je rate l'heure parce que je suis bavard, je vais me rapprocher de la fin, je vous rassure. Il va y avoir aussi une... Tout ça va bien sûr rencontrer la ville, cette tradition aussi pittoresque du jardin. Ça va se faire en marge des parcs, notamment ici à Blaise, au château de Blaise, avec le hameau de Blaise, Blaise Hamlet. C'est une réalisation de John Nash avec Repton au départ, qui va consister à, l'une des premières fois, aménager un groupement d'habitations autour d'une voie pittoresque sinueuse. Et puis Nash, cet architecte qui est aussi créateur de jardin puisqu'il va faire réaménager Regent Park, va aménager cette percée dans Londres, Regent Street, qui adopte aussi des formes indirectement inspirées de l'art des jardins. Et en lisière de Regent Park, il va concevoir Park Village East et West, qui sont des quartiers, des lotissements paysagers, selon moi les premiers lotissements paysagers, vous voyez où la voirie procède vraiment de l'allée sinueuse des jardins pittoresques, quoi, qui se dédouble comme ça, où les arbres sont mis de façon dispersée. Et voilà la partie ouest. Et donc là, on a un peu le prototype de ce qui sera après les lotissements paysagers qui se développeront au 19e jusqu'au 20e siècle, bien sûr. Alors, l'Angleterre, à cette époque, connaît un nouveau programme qui s'appelle le parc public. Le parc public est inventé en Angleterre à cette époque. Jusqu'alors, il y avait des parcs aristocratiques ouverts au public, par exemple les Tuileries en France, c'était le cas. Mais là, on va commencer à cette époque à bâtir, à concevoir expressément des parcs en ville pour les habitants. Et notamment, l'un des premiers, c'est Birkenhead de Joseph Paxton, qui est le créateur de Crystal Palace et qui va aussi, à peu près à la même époque, être l'auteur de ce projet qui ne sera pas réalisé, qui est un projet qui est selon moi le premier bâtiment à infrastructure, puisque c'est une boucle de 33 km de long autour du centre de Londres, qui est cette grande galerie, ce passage couvert vitré, et qui contient des voies de chemin de fer dans le corps de bâtiment de part et d'autre. Donc vous voyez, on pense souvent que les mégastructures, on pense au plan obus de Le Corbusier pour Alger, on pense à ces plans de Rio de Janeiro, disons on les daterait
plutôt des années 1920-1930. Or, le premier bâtiment infrastructure qui contient de la locomotion mécanisée, c'est Paxton, ce créateur de serres, ce constructeur de serres, créateur de jardins, qu'il a proposé pour Londres en 1855. Alors, Birkenhead est visité à quelques années après sa création, en 1850, je crois, par un jeune intellectuel, on va dire, américain, qui est Olmsted, et qui va être fortement marqué par ce type de programme qui se développe dans la vieille Europe et qui va déplorer qu'il n'y ait pas la même chose aux États-Unis à cette époque-là. Oui, donc c'est le même, un peu plus vieux après. Et en fait, il va, au retour des États-Unis, il va écrire dans la revue du grand paysagiste américain de l'époque, qui est Andrew Jackson Downing, qui dirige la revue dite Horticulturiste, dans laquelle il mène une campagne pour la création de Central Park. Et donc, Olmsted va écrire dans cette revue. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Downing va mourir, je crois, à l'âge de 36 ans, quelques années plus tard, dans un accident de bateau sur le Hudson River, je crois. Et voilà, donc c'était lui qui aurait dû faire probablement Central Park. C'était lui, le premier grand paysagiste américain, auteur de ce traité, le premier traité de paysage américain, vous voyez ici. Et finalement, c'est Calvert Vaux, cet architecte qui travaillait chez Downing, qui va appeler Olmsted pour faire équipe avec lui sur le projet de Central Park et qui après vont avoir la carrière que vous connaissez. Voilà, le projet qu'il remporte, le projet qui s'appelle Greensward, qui remporte le concours. Et si ce projet emporte le concours, c'est parce qu'ils avaient, c'est pour une invention infrastructurelle. C'est qu'il propose de faire les routes transversales qui étaient demandées dans le concours, pour ne pas interrompre trop la grille de Manhattan, il propose que ce soit des voies qui passent par en dessous pour ne pas perturber le fonctionnement du parc. Et c'est pour ces projets d'allées carrossables qui passent en décaissé, comme ça, c'est grâce à ça que le projet est distingué et qu'ils sont choisis pour le réaliser, qui est finalement une déclinaison des leçons des paysagistes anglais comme Repton. Et ce système de très infrastructurel de séparation des voies va se retrouver aussi en surface, comme on voit ici, vous voyez, l'œil peut se promener là, à rechercher, vous voyez, toutes les fois où sont distinguées les allées cavalières, les allées piétonnes et les allées carrossables. Donc là, on voit ici l'avenue transversale, mais on voit aussi que par-dessus, il y a aussi toute cette dissociation fonctionnelle qui s'opère. Voilà, ici. Donc, c'est la fameuse trilogie de Repton qui est systématisée entre le path, l'allée piétonne, le ride pour l'allée cavalière et le drive pour les voitures. Et voyez d'ailleurs Central Park dans ses premières années avec voilà, les vues des drives ou driveway de Central Park qui sont des allées pour les voitures. Donc on vient faire de la voiture à Central Park. Du reste, Bernard Landau me disait que dans les buts de Chaumont à Paris, on traversait les buts de Chaumont en voiture encore il n'y a pas si longtemps. Donc le parc est le lieu de la voiture, historiquement. Alors, Olmsted et Vaux vont partir chacun de leur côté et puis ils vont refaire équipe pour le projet de Prospect Park à Brooklyn cette fois-ci. Et Prospect Park, c'est l'occasion d'aller plus loin et de faire sortir l'allée pittoresque paysagère du parc pour conquérir la ville. C'est l'invention du Parkway. Avec cette idée, mais lorsqu'on a des voies si adaptées à la voiture, pleines d'aménités, etc., ben pourquoi ne pas en faire profiter toute la ville et pourquoi,
pourquoi ne pas en faire un modèle urbain, en tout cas, qui va pouvoir relier les différents parcs entre eux. Et Homestead et Vaux ont pour la première fois l'occasion de le faire lorsqu'ils font le projet, un prolongement du projet de Prospect Park. Alors, le premier plan qui en est donné est un peu décevant parce que la forme est très régulière. Et ça, Homestead s'en plaint. Il dit, mais l'idéal, c'est... ça serait de faire une voie sinueuse, pittoresque, qui s'appuie sur la topographie. Bon, mais on est un peu coincé par la grille américaine. Donc, dans son premier temps, ça va être une voie comme ça. Donc là, vous voyez ici, Prospect Park est là, et vous voyez donc le premier parkway. Donc, vous voyez sa largeur exceptionnelle qui est aménagée, qui est l'Eastern Parkway. Et son modèle, à cette époque, il va théoriser cette histoire. Homestead théorise cette histoire de parkway, Homestead et Vaux. Et leur modèle, c'est Paris, c'est l'avenue de l'Impératrice. Alphand l'avait déjà fait, c'est-à-dire un jardin linéaire qui contient des voies et qui relie des parcs entre eux. Voilà. Et retour, encore une fois, retour en France. D'où l'hypothèse de Disponzio, qui n'est peut-être pas si fausse que ça, de penser que Landscape Architect, c'est aussi la traduction d'architecte paysagiste. Et puis après, donc plus tard, maintenant, tous ces travaux sont bien connus, notamment grâce au livre de Catherine Momy, pour ceux qui ne connaissaient pas Homestead et ses travaux avant. Et par la suite, ils vont avoir l'occasion de développer ces projets de système de parc partout. Donc, souvent un peu coincés par la géométrie de la grille, encore comme on le voit ici. Chicago, qui va être l'occasion par un parkway qui va prendre la largeur d'un îlot, va leur donner l'occasion déjà de donner plus d'épaisseur et de liberté formelle à ce parkway, mais c'est le projet de Boston qui va se développer à une échelle beaucoup plus grande, hors la partie de la métropole réglée par la grille originelle, qui va être donc là l'occasion de développer le vrai parkway qui manifeste ce que Devigne appelle la géographie amplifiée, hein, c'est-à-dire qui s'appuie sur les talwegs d'anciens cours d'eau, qui est un projet à la fois de renaturation, dirait-on aujourd'hui, tout un travail hydraulique qui appuie ce travail, mais qui reste un parkway, c'est-à-dire un système de voies de loisirs qui vient relier les grands parcs. Et voilà quelques vues des projets à ses débuts et quelques sections qui sont maintenant bien connues. Notez à cette époque, je vous renvoie, enfin, les archives d'Homestead sont numérisées sur Flickr. C'est très mal classé, c'est très dur à s'y retrouver, mais on peut y piocher, on peut y passer des jours et des jours. J'ai trouvé ces images-là. On a une époque assez fabuleuse où on maîtrise les courbes de niveau, ce qui n'est pas tout à fait le cas au XVIIIe siècle, par exemple, ou au début du XIXe siècle. Et puis l'informatisation n'est pas encore arrivée. Donc on a là des conceptions de voies sinueuses qui sont extrêmement scientifiques puisqu'elles peuvent s'appuyer sur des questions topographiques de manière assez fine. Bon, le Riverside qui aussi est une déclinaison de la voie sinueuse à l'échelle d'un grand lotissement pavillonnaire. Retour en France après l'avenue de l'Impératrice passée aux États-Unis, elle va revenir par Forestier sous le nom de Forestier qui en gros succède à Alphand à la ville de Paris. Inventeur, dit-on, de la piste cyclable pour le bois de Vincennes, si je ne me trompe pas, et qui va populariser le parkway sous le nom d'Avenue Park dans ce livre. Et puis, surtout, Édouard André, ami d'Homestead, qui va parler des travaux d'Homestead. Et donc, là, vous avez la Bible de l'art des jardins à la fin du XIXe siècle. Et voyez ce qu'on trouve dans un manuel d'art des jardins. On ne parle même pas de paysage, on parle des jardins, parcs et jardins. Voyez ce qu'on trouve dans un manuel d'art des jardins à la fin du XIXe siècle, à la veille de l'apparition de l'automobile. On dirait quasiment un manuel de VRD, vous voyez. Donc, vous voyez comment, jusqu'à la veille de l'apparition de l'automobile, la voirie est un sujet de l'art des jardins.
et qui va résister à l'apparition de l'automobile, et voire même va être boosté, même amplifié par l'automobile, puisqu'au départ, il faut savoir que l'automobile, c'est ce qui remplace, c'est ce qui est une alternative au chemin de fer. Le chemin de fer, ça résulte d'un échec, de ne pas avoir développé la circulation mécanisée sur un véhicule qui permet d'aller sur les routes existantes. On n'était pas arrivé, c'est pour ça qu'on a fait des voies ferrées. Et qu'on a abandonné tout ce réseau historique des routes, des chemins, etc., qui va se retrouver un peu dans une sorte de semi-obsolescence dans une partie du 19e siècle. Et là, on invente enfin le véhicule qui permet d'aller sur les vieilles routes. Donc au départ, l'automobile n'est pas synonyme de modernité ou de rupture, c'est au contraire un vecteur c'est le vecteur du tourisme. On va retrouver des associations qui vont à la fois défendre le développement de l'automobile, du tourisme et la protection des paysages. Tout ça va aller de pair. Ça, c'est les premières publicités pour les cartes Michelin, fabricants de pneus. Et vous voyez les routes pittoresques. C'est-à-dire que jamais on va autant parler des routes pittoresques qu'avec l'automobile, puisqu'on aura dans la boîte à gants les cartes routières que j'ai connues encore de mon temps, avant, parce que je suis né avant le GPS généralisé. Où on a ces fameuses routes là qui étaient surlignées de vert, qui étaient les routes pittoresques, vous voyez, château, curiosité, point de vue, etc. Et puis donc vous avez par exemple la transcription de cette vision dans le champ de l'aménagement avec le très beau projet d'Henri Prost pour la côte varoise, qui est une commande qui est passée par le préfet, mais aussi par le Touring Club et par l'Office de Tourisme, qui visait à la fois à protéger les paysages et à développer le tourisme. Et l'outil que va développer l'architecte Henri Prost va être la conception d'un certain nombre de voies accompagnées d'une bande non édificandi pour penser la temporalité de cette voie et son urbanisation progressive au fil du temps. Et vous avez aussi dans cette tradition les premières autoroutes, par exemple, en France, même s'il y en a été peu ou pas de réalisation, conçues par des architectes comme ici Jacques Grébert, l'autostrade pour Marseille. Et puis, en partie réalisé, le fameux échangeur de Roquencourt, le triangle de Roquencourt, dans la forêt de Marly, dans un jardin classique. Projet qui à la fois organise la rencontre, les croisements des automobiles, mais intègre également une promenade piétonne dans la forêt de Marly avec ce passage par cette arche, cet escalier hélicoïdal, etc. Et ici, au fond, le projet de route des parcs qui consistait à pouvoir se promener, visiter les jardins de Lenôtre en automobile, qui passe ici sur ce viaduc circulaire au fond de ce projet. Aux États-Unis, en fin de compte, l'arrivée de l'automobile va être accueillie par les parkways, puisque finalement, quand on a des voies de cette qualité dimensionnée, avec ces grands rayons de giration, etc., ben c'est très facile de finalement motoriser les voitures, ça ne va pas changer grand-chose. Et donc, on va avoir progressivement, ce n'est pas la seule manière qu'a eu l'automobile de se développer, mais notamment c'est passé par les parkways. Et là, vous avez ici le Bronx River Parkway, qui est le premier parkway pensé expressément pour l'automobile, mais qui garde toutes les caractéristiques des parkways préexistants, des parkways hippomobiles. Ils avaient déjà les carrefours à voies superposées, les voies dédiées, etc. Donc, voilà. Et donc, vous voyez comme ça, on pense que c'est une sorte d'autoroute de petits villages, de petites maquettes de Noël, là. Alors que non, mais c'est tout simplement des dispositifs d'échangeurs, de stations-service, etc., qui sont écrits avec le vocabulaire des édicules de jardin, puisque le parkway est relevé de l'art de jardin, jusqu'à la signalétique, vous voyez. Et puis, vous avez d'autres réalisations qui se développent dans l'entre-deux-guerres, dont notamment le très beau projet de l'Henry Hudson Parkway des années 30, où vous voyez que là, vous avez une géométrie d'un échangeur très complexe, comme on peut les connaître aujourd'hui, mais qui a été pensé dans un modelé de telle manière à ce que les promenades piétonnes peuvent tout à fait s'y intégrer. Et puis, il y a une grande séquence extrêmement intéressante aussi, qui sont les autoroutes allemandes, commencées avant Hitler, mais
poussée pendant le nazisme, pour la conception desquelles des paysagistes ont été associés, et dont Alvin Seifert, et qui a beaucoup écrit sur la manière de dessiner les autoroutes dans le paysage. Et une partie d'ailleurs de ces réflexions vont être aussi reprises par les ingénieurs américains qui font les parkways à la même époque. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs parce que, oui, l'aménagement est politique, mais à la fois on retrouve là entre le régime de Roosevelt, le New Deal et le nazisme d'Hitler, des politiques qui sont sur des socles idéologiques très différents et qui pourtant produisent des objets assez comparables. Et puis, je termine avec les années 50-60, la revue anglaise Architectural Review, qui inaugure une rubrique qui s'appelle Townscape, paysage urbain, où là, dans un numéro spécial, on propose de considérer qu'aujourd'hui, le rôle du paysagiste, de l'urbaniste, de l'architecte est de soustraire et de désaménager un territoire qui est déjà envahi et suréquipé par les infrastructures. Et donc, les designers sont appelés à avoir une action de soustraction et de désaménagement. 1956, vous voyez, c'est pas quand aujourd'hui on vous dit « aujourd'hui il faut soustraire et pas ajouter », on le dit depuis un demi-siècle. On l'a peut-être oublié, mais on le dit depuis un demi-siècle. On l'a pas toujours fait, par contre. Vous avez d'ailleurs là, c'est assez marrant, la suppression d'un rond-point. Je conclue. Je conclue en deux temps. Aujourd'hui, donc, le désaménagement reste un enjeu toujours aussi important, renforcé par, bien entendu, les questions de désartificialisation qui deviennent urgentes. Mais plus encore, certains vont jusqu'à considérer qu'à l'avenir, une bonne partie des infrastructures héritées de la modernité ont vocation d'être détruites et effacées. Si l'automobile, pour ces gens-là, si l'automobile sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui est amené à disparaître, son support doit disparaître aussi. Un peu finalement comme au début du siècle, quand Le Corbusier prophétisait la mort de la rue, sous prétexte que celle-ci datait du temps des voitures à chevaux. C'est la même chose. Et alors, pour ma part, je crois que cette solution restera exceptionnelle, je l'espère, en tout cas, en raison du coût énergétique et environnemental phénoménal que constituerait l'effacement des infrastructures aussi lourdes. Je ne dis pas le bilan carbone de ces opérations. Et de manière plus fondamentale, moi, je crois qu'en tout cas, il faut se souvenir que l'obsolescence de la fonction ne signifie pas celle de la forme. C'est en ce sens que Piranèse, qui s'est intéressé c'est en ce sens que j'évoque Piranèse, qui s'est intéressé aux infrastructures romaines, quand elles avaient pour la plupart perdu leur fonction. Toutes ces gravures de Piranèse montrent des infrastructures qui, pour beaucoup, en tout cas les aqueducs, les infrastructures hydrauliques, ne fonctionnaient plus, étaient obsolètes. Ce qui me évoque un aphorisme de l'architecte Luigi Snozzi, qui avait dit « l'aqueduc vit à partir du moment où il a cessé de transporter l'eau ». Et vous voyez que là, on est tout à fait... c'est très différent du registre de la technique. Quand on est... Si on considère les voies comme faisant partie de la technique, ben quand elles ne servent plus, elles ne servent plus, quoi. Elles n'ont pas d'utilité, il faut certainement s'en défaire. Alors, le célèbre et... oui, on pourrait le dire autrement, on pourrait dire que quand elle perd sa fonction initiale, la construction existe comme objet architectural et plus seulement comme objet technique. Le célèbre architecte urbaniste américain Kevin Lynch, très connu pour l'image de la cité, etc., ses livres publiés dans les années 60, a publié des livres très intéressants à la fin de sa vie, et notamment son tout dernier livre, publié à titre posthume, dans lequel il s'interrogeait sur qu'est-ce qu'on fera des autoroutes après la fin de l'âge automobile. Après l'âge automobile.
Il écrit ça en 84, le livre est publié en 90. Et voilà sa réponse. Si ces ouvrages ne sont pas trop spécialisés, on va pouvoir les réutiliser. On en fera autre chose. Et donc, finalement, sa réponse postule la permanence de la voix, comme aurait pu l'écrire Ronaldo Rossi. Hein ? Et donc, l'une des conditions de ce réusage est la juste inscription dans le site, mais aussi la faible spécialisation, c'est-à-dire la faible détermination par les prescriptions techniques, qui serait un gage de sa résilience, de son réusage. Et c'est pour ça, si vous voulez, que quand on me dit « Mais pourquoi vous avez fait un livre qui parle des routes, des autoroutes au moment où il faut arrêter d'en construire ?» Ben justement, c'est parce qu'on s'arrête d'en construire qu'on peut y réfléchir sérieusement, quoi, sur qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est en les réintroduisant comme un objet d'architecture au sens large qu'il me semble qu'elles se prêtent alors à la transformation et au réusage. L'épilogue qui est donc post-conclusion... J'ai été récemment invité par la revue d'architecture Plan Libre pour me repencher sur la genèse et la réception de mon écrit de jeunesse qui était du rond-point au giratoire, publié il y a 18 ans, figurez-vous. Vous savez à présent que j'ai un peu plus que 18 ans. Et notamment revisiter ce livre à la lumière de la crise des Gilets jaunes qui était survenue en France à l'automne 2018. Et j'ai toujours des amis qui m'envoient des messages pour me taquiner. Et comme j'ai cette étiquette de spécialiste des ronds-points qui me colle à la peau, on m'avait... Alors ça, vous connaissez donc les gilets jaunes, bien sûr. On avait, à cette époque-là, on m'a envoyé cette photo. J'ai eu du coup certains journalistes qui m'ont appelé, mais comment vous expliquer tout ça, pourquoi, machin, les ronds-points, tout ça. Et donc, c'est là que je me suis un peu replongé, je suis retrempé dans ma bibliothèque, j'ai repris mon livre, je me suis dit, et regardez ce que j'écrivais quand même à l'époque. Voilà, j'avais tout prévu. J'avais prédit. Disons, il y avait des signaux faibles qui trouvaient... Que, voilà. Mais au-delà de l'anecdote, le livre donc, que j'avais écrit à l'époque et qui préfigurait ce que j'ai généralisé dans l'architecture de la voie, s'appuyait sur l'idée que les ancêtres des giratoires actuels sont à chercher du côté des ronds-points des jardins classiques. Et donc... que l'occupation des ronds-points par les manifestants, qu'on a pu découvrir à l'occasion des Gilets jaunes, a finalement offert la preuve que, comme toute architecture, la forme de l'infrastructure contient des potentiels d'usage qui ne se limitent pas à leur fonction initiale. Et donc que même les vulgaires ronds-points routiers de la périphérie conservaient dans leur patrimoine génétique une capacité enfouie à faire tourner autre chose que des voitures, ce qui nous ramène encore une fois dans les jardins. Voilà, je vous remercie. Merci pour ce cours qui nous a permis de brasser avec toi l'héritage de tous ces modèles vierges qui sont finalement quand même très emprunts de la forêt, finalement, du jardin et de la topographie aussi. Tous ces éléments qui, pour le paysagiste, sont un outil de travail. Du coup, sur la dernière partie, enfin, cette conclusion, tu nous parles un peu plus. Alors là, c'est plus, peut-être plus le chercheur, mais l'enseignant. Tu prends parti un peu sur cette histoire de transformation des voies et des mobilités de demain. Et donc, à l'école de paysage à Versailles, on a monté une chaire mobilité et paysage dans laquelle on commence aussi à se questionner sur
sur ces sujets-là. Et donc, c'est vrai que l'apport de ce travail historique nous aide en fait aussi à distinguer en fait le support et l'objet. Et ça permettrait aussi à ceux qui fabriquent les objets de réfléchir aussi au support. Et donc, sur ces sujets-là, est-ce que tu développes un peu ça avec les étudiants dans le DSA, ou est-ce que vous avez commencé à développer des partis pris comme ça? Oui, alors de manière pas... notre formation se base sur des commandes qui nous sont passées, et donc on réagit, on se positionne par rapport à des questions qui se posent. Et du coup, les questions qui se posent, elles sont toujours particulières, originales, etc. Donc on ne développe pas une vision un peu... On ne développe pas de vision de doctrine, a priori. Mais c'est vrai qu'on a été amené comme ça à réfléchir. Alors, une première fois, par exemple, c'était Vinci Autoroute qui nous avait interpellé sur la traversée de Tours-Saint-Pierre-des-Corps, où l'autoroute, là, n'est plus payante, la vitesse est réduite. Et il ne savait pas bien comment profiter de ça, quelle était la conséquence de ce changement-là d'usage sur l'infrastructure elle-même. Et à cette époque, on avait découvert une chose, c'est que la ville de Tours disposait du cadastre et du SIG de part et d'autre, Tours-Saint-Pierre-des-Corps, qui avait une emprise blanche sur l'autoroute, et que Vinci avait, eux, le modèle 3D hérité des services de l'État, mais avec du blanc autour. Donc déjà, de venir mettre l'un dans l'autre, c'était déjà un pas énorme, c'est-à-dire qu'on souffre d'un problème de représentation de ces choses-là. Et je pense à aussi une autre étude qui a été commanditée par la ville de Paris, qui était sur la petite ceinture. C'était intéressant parce que au moment où on a décidé que la petite ceinture donc allait servir de promenade, de façon provisoire d'ailleurs, enfin la SNCF demandant que tout soit réversible, il y a eu une forte attention qui a été mise sur l'aménagement des sections courantes. Avec chaque fois des équipes pluridisciplinaires, des artistes, etc., pour avoir ces aménagements qu'on a vus un peu partout. Mais il y avait finalement un aspect qui était passé un petit peu dans l'ombre de ces consultations, qui était de dire, mais fondamentalement, qu'est-ce qui se produit quand on rend accessible une infrastructure ferroviaire qui était conçue pour ne pas être accessible, qui était conçue pour être systématiquement disjointe du sol, quoi, soit par en dessus, soit par en dessous. Et qu'est-ce que c'est que de la rendre facilement accessible pour le piéton, tous les piétons, PMR, etc. Et donc, en gros, il y avait une sorte de... Et je pense qu'à cette époque-là, ça se faisait surtout en régie par les services de la ville, d'aménager une palanquée d'ascenseurs, d'escaliers, etc. Qui, si mes souvenirs sont bons, n'étaient pas forcément des objets soumis à la consultation et au concours, etc. Et qui pourtant marquaient fortement la transformation de ces infrastructures. Donc ça, ça a été l'occasion d'un travail un peu fondamental, de se dire ben, qu'est-ce que c'est qu'une petite ceinture aujourd'hui équipée pour y accéder? Est-ce que la nature architecturale de ces aménagements doit s'inscrire dans une continuité, une permanence, en faisant presque penser que c'était là dès l'origine, au contraire, apparaître comme quelque chose de beaucoup plus provisoire, léger, accroché, qui préserve l'intégrité originelle de cette infrastructure? Voilà, c'est comme ça qu'on a été amené à penser à ces choses-là. Il y a aussi, je pense encore un exemple qui me vient, une étude du Conservatoire du Littoral à Lancieux, qui est un endroit où un polder est en train d'être, un terrain qui commence à se dépoldériser, où la digue qui a cédé n'est pas, la brèche n'est pas colmatée, avec une volonté de renaturer tout ça. Et du coup, ça requestionne la présence d'une route digue qui était là, historique. Et donc, bien entendu, il y avait un projet technique pour renforcer la valeur de digue de cette route, mais qui n'était pas du tout pensé dans des termes plus larges. Et notamment, donc, nos étudiants ont proposé de développer ce renforcement de la route associé à une surlargeur, le développement des pistes cyclables, etc. Donc, on a une vraie attention, si tu veux, à vraiment considérer, à faire rentrer ces objets techniques ou infrastructurels dans le champ du projet. Et c'est souvent
C'est souvent un déplacement qu'on opère pour des maîtres d'ouvrage qui nous attendent sur où va-t-on mettre les maisons, comment on aménage l'espace public, le jardin, la rue, la place. Mais par contre, la route ou l'infrastructure lourde, elle est mise à côté. Et donc nous, on se fait fort de nous intéresser. D'accord, très intéressant. Alors justement, nos élèves paysagistes ont défriché la digue après vous d'ailleurs. Ah d'accord. Ouais. C'est drôle. Est-ce qu'il y a parmi vous des questions, des remarques ? Charles Dard qui est toujours au fond de la salle, comme ça, ça fait un relais direct. Ça implique tout le monde comme ça. Donc bonjour Eric, je suis très content que... Ça marche ou pas ? Oui, ça marche. Je suis très content de cette conférence qui était vraiment non seulement réjouissante et instructive, mais en plus m'a rappelé des bons moments passés ensemble, puisque moi aussi je me suis occupé de ces questions de voie et de route, et j'ai cessé de le faire, je veux dire. Je suis passé un peu à autre chose. C'est d'ailleurs intéressant parce que c'est lié à la commande. En fait, à un moment donné de ma carrière, j'ai pu trouver davantage à subvenir à mes besoins en réfléchissant parce qu'il y avait une commande nationale qui incitait à réfléchir à ces choses-là. Il y a beaucoup d'argent là-dessus. Et puis petit à petit, la maîtrise d'œuvre me mobilise davantage et... Autant c'était intéressant de réfléchir, autant c'était frustrant de ne rien voir sortir de ces réflexions et d'avoir le sentiment qu'on a assez peu d'impact finalement dans la réalité. Alors là, je voudrais simplement te remercier pour une chose anecdotique mais quand même importante. Tu fais un travail de documentation extraordinaire et cette recherche des généalogies, elle est très intéressante. Par exemple, moi, je croyais que c'était vraiment... Enfin, je connaissais le walking, driving, riding de Olmsted, puisqu'il s'incarne tellement dans le succès de Central Park et qu'il a été revendiqué énormément, mais je ne savais pas du tout que c'était déjà chez Repton, d'une certaine manière, et que c'était issu de l'Europe, comme il s'est inspiré aussi des buts de Chaumont. Ce qui m'a frappé dans ta présentation, c'est d'abord, évidemment, les Champs-Élysées et ta manière de... partir des Tuileries et du cours La Reine. Et je me suis... Alors, j'attendais que tu parles du cours La Reine et j'étais surpris que tu en parles après les Champs-Élysées puisque c'est un projet antérieur. Et ce qui est intéressant au cours La Reine, ce que tu as montré qui, moi, m'avait un peu échappé, je dois dire, c'est l'enfermement d'un espace propre, d'un domaine du jardin, du cours pour la promenade. Parce que ce qui est frappant, c'est de savoir que c'est aussi un des premiers lieux où on a fait le quai sur la Seine. Et du coup, la question qui est vraiment intéressante à mon point de vue, et elle s'est réincarnée dans d'autres choses que tu as dites après, c'est la question du rapport entre la voie et le jardin sous l'angle de la domanialité exclusive. Parce que d'un côté, tu dis, le cours de la Reine, c'est un jardin puisqu'il est enfermé de murs. D'un autre côté, on peut se dire, c'est vrai que l'autoroute milanaise l'autoroute faite incitée par les constructeurs milanais d'automobiles dans le paysage des Alpes développe son propre paysage et presque domanial, quoi. C'est-à-dire il se fait d'une manière autiste, quoi. Même à la limite, les plans que tu as montrés de systèmes de parcs qui font des voies parcs de parc à parc, on se dit mais le reste du paysage n'est pas représenté sur le... Alors, juste après, tu as montré une autre image dans laquelle on voit que, évidemment, la question des intersections et donc la trame urbaine autour du système de parc compte. Et puis, tu parlais justement des groupes de niveau, et ça, c'est évidemment très, très important. Mais je me dis... Vraiment, c'est la vraie question. C'est pas seulement celle des passages différenciés, et de la domanialité des flux individuellement, c'est aussi celle de considérer la voie à un moment donné comme un domaine propre, exclusif. Et alors, ce qui m'a le plus plu, alors je suis désolé, je suis un peu long, mais je t'interroge surtout là-dessus, c'est ce que tu as dit des chemins de fer. Parce que quand tu dis, finalement, la construction des chemins de fer, c'est l'aveu d'un échec, on n'a pas su faire passer la locomotive sur le réseau national royal français qui était tellement exemplaire.
Mais en même temps, si on réfléchit 5 minutes, si on revoit la bête humaine, là, l'image de la locomotive et tout ça, on se dit, mais c'est juste impossible, c'est trop dangereux. Et là, tout d'un coup, intervient la question de la vitesse. Et autant, c'est vrai, tu as raison de dire que les boulevards d'Haussmann sont passés de la calèche à l'automobile sans difficulté, parce que, de fait, c'est vrai, autant c'est tout à fait fou d'imaginer que peut-être on aurait pu mettre les locomotives sur le réseau national. Donc, à l'inverse, on peut se dire, l'arrivée de l'automobile, là où elle est dangereuse, c'est qu'elle amène une différentielle de vitesse, enfin une vitesse propre, qui rend les choses juste insupportables pour les autres usagers de la même voie. Donc, la domanialité, à partir de là, elle est double. C'est-à-dire, on peut aussi considérer qu'il s'agit de protéger le tissu traversé, parce qu'on emprunte la voie, mais enfin, les gens qui habitent là, ils ont le droit de dire, attendez, moi, je ne vous la prête pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toute cette question d'étanchéité du chemin et du servant-servi de l'infrastructure, ça, c'est une question qui est véritablement très, très, très intéressante, parce qu'on augmente la géographie, mais enfin, on ne fait pas que l'augmenter, quoi. Bah, dis donc, vaste question, enfin, champ de questions. Mais du coup, je ne sais pas exactement quelle est ta question, mais c'est quoi ta question ? Non, la question que j'ai, c'est... Chemin de fer. Est-ce que tu es sûr que le... Ah oui. L'histoire du chemin de fer, c'est l'histoire d'un échec. Est-ce que c'est pas plutôt justement la seule manière de faire ? D'accord. Alors, d'accord. Ok. En fonction plutôt du différentiel de vitesse et dire finalement, l'architecture devrait se porter l'effort. D'accord. Cet effort d'invention, il devrait s'appliquer à la question de la vitesse. D'accord, ok. Alors, le chemin de fer, un échec, je l'ai fait de façon... C'était un raccourci pour provoquer, mais c'est quand même... Je pense que c'est une hypothèse qui est quand même pas si fausse, puisque vous avez tous en tête le fardier du Cugnot. C'est-à-dire, on va essayer, avec l'invention de la machine à vapeur, on va essayer de transposer la vapeur à la locomotion. On n'y arrive pas. Ce fardier de Cugnot, il ne marche pas, il ne s'arrête pas, il n'y a pas de frein, c'est un désastre, quoi. Et en fait, on va y arriver donc avec la locomotive, parce qu'en fait, le rail existait. Le rail existait dans les mines dès le Moyen-Âge, parce que ça permettait de réduire les frottements. D'abord des rails en bois, puis des rails en fer. Et donc, en fait, cette chose très fragile, enfin, on n'arrive pas, c'est l'histoire de rapport de frottement, etc., il lui faut cette infrastructure-là. Et ce qui est très clair, c'est qu'il y a des tas de témoignages. Par exemple, Ildefonso Cerdà, l'ingénieur de Barcelone, qui fait le plan d'action à Barcelone, au milieu du 19e siècle, il dit « Mais c'est très bizarre, la vitesse mécanisée, elle arrive en ville, mais elle s'arrête dans les gares. Et après, on a cette locomotion animale, chaotique, avec des crottes partout, etc. C'est pas possible que ça dure comme ça si longtemps. Un jour ou l'autre, il dit, la locomotion mécanisée franchira les portes de la ville. » Donc, il y a quand même une impression consciente à l'époque qu'il y a quelque chose de transitoire. Pour le moment, la locomotion mécanisée s'arrête là, mais elle finira bien par arriver. Alors, ce qu'il faut... Autre chose aussi... Eugène Hénard, dont je n'ai pas parlé ici, cet architecte parisien, qui écrit ses fameuses études sur les transformations de Paris autour des années 1900. Il lui fait une étude à partir des fiacres. Pourquoi il fait une étude à partir des fiacres? Parce qu'il dit, c'est le cas le plus compliqué. Ce n'est pas très urbain, ces voitures tirées par des chevaux en ville. Quoi. Qu'est-ce que ça fout, ces animaux dans les rues et tout, le jour où l'automobile, qui est un peu exceptionnel à l'époque, le jour où l'automobile se développera, alors là, c'est simple. Là, on aura là, j'exagère un peu, là, on aura enfin le véhicule urbain. Qui est beaucoup plus souple, qui ne fait pas caca partout, qui sait ce truc. Bon. Et donc, lui, toutes ces démonstrations sur les giratoires, sur les carrefours à voie superposée, il les fait avec le fiacre parce qu'il considère que c'est beaucoup plus difficile et que le jour où l'automobile arrivera en ville, là, on aura le véhicule adapté. Donc, n'idéalisons pas, en tout cas pour la ville, la nature des mobilités et le côté et l'absence de nuisances qu'auraient les mobilités animales, il y en avait beaucoup. Alors, après, elles changent de nature. L'autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas confondre l'automobile de ses débuts, qui ne roule pas très vite,
avec l'automobilisation de masse des années 50-60. À un moment donné, il y a des questions de degrés qui vont changer aussi la nature des nuisances. Autre parenthèse aussi, la vitesse. La vitesse n'arrive pas avec la technique. Christophe Studeni, dans un livre formidable, L'invention de la vitesse, démontre que la vitesse procède d'une aspiration qu'après va satisfaire la technique. Et lui, il la date des Anglais du XVIIIe siècle. À un moment donné, on veut aller vite. Et on va aller plus vite. Mais on va aller plus vite avec des voitures à chevaux et sur des chevaux. Hein. D'où le développement, d'abord en Angleterre, dans les jardins, de voies pour aller vite. Et la question de la vitesse apparaît avant l'automobile, sur son principe. Voilà. Donc au départ, l'automobile ne va pas changer énormément de choses. Forcément, ça appelle la vitesse. Néanmoins, très vite, dès les années 30-40, notamment dans la revue Urbanisme, va se poser la question que tu poses. On va dire, OK, l'automobile permet de réinvestir ces monuments historiques que sont les routes et les chemins, etc. Sauf que, effectivement, le flux n'est pas de même nature et peut poser des problèmes par rapport aux riverains qui étaient là bien avant, etc. Et donc, clairement, ils débattent de ça. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Et par exemple, ces villages qui avaient été délaissés par le chemin de fer, parce que le chemin de fer, il n'y a pas plus perso qu'un chemin de fer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une gare, il ne te connaît pas le chemin de fer, quoi. Hein? Donc tous ces villages qui s'étaient retrouvés les perdants du réseau de chemin de fer, les villages qui vivaient à l'époque avec les haltes routières, etc., voient un nouvel flux vital possiblement les traverser. Et donc on perçoit quand même que ce n'est pas si simple à l'époque, dans les années 30-40, on n'est plus dans les années 10-20, on est déjà un peu plus tard. Et on se dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Élargissement ou déviation? Donc il y a toujours cette solution vieille comme le 17e, 18e siècle, on agrandit les voies pour laisser plus de place, reculer les maisons, etc. Ou bien, ben, finalement, il y a une incompatibilité fondamentale et on essaye plutôt de faire des voies dédiées. Et d'ailleurs, il y a des beaux projets de déviation dans l'entre-deux-guerres et sous Vichy, qui sont des projets de déviation aussi intégrés dans le paysage, intéressants, qui s'éloignent, mais pas trop. Mais par ailleurs, ce qui va prévaloir, c'est le point de vue moderne, fonctionnaliste, qui consiste à dire l'automobile amène un problème de vitesse, de danger, une locomotion mécanique qui n'est pas de même nature que les vieux chemins, etc. Donc, mort de la rue. Mort de la rue. On ne doit plus faire des choses comme ça, on doit faire des voies dédiées. Et donc, c'est une époque, disons, l'entre-deux-guerres est une époque qui débat de tout ça. Néanmoins, ce qui reste vrai, c'est qu'au tout début, années 10, années 20, l'automobile est effectivement vu comme le vecteur du pittoresque. Et donc même, c'est Timothy Davis, je crois, qui écrit ça aux États-Unis, il y a même un retour du vernaculaire et du pittoresque grâce au développement de l'automobile. Parce que dans les campagnes, l'automobile reste très minoritaire quand même. Donc il y a une voiture qui passe de temps en temps, le laitier, le médecin et puis le touriste bourgeois qui y va. Donc les nuisances sont assez faibles au regard du bénéfice que ce véhicule amène dans la redécouverte de ces territoires. Voilà, pour te dire. Et puis, aujourd'hui, je pense que quand même, ce qui est intéressant, c'est de se dire que comme probablement, on est en train de penser quand même que l'automobile, je ne sais pas sous la forme qu'elle perdurera, mais on la conçoit avec des vitesses beaucoup plus basses, du coup, on peut aussi se reposer ces questions de cohabitation et de partage de la voie. Il y a plusieurs personnes encore qui veulent poser des questions. Bonjour. Bonjour. Pour rebondir un tout petit peu sur ce que vous venez de dire, ce n'était pas prévu dans ma question. Quand on a tracé des routes à la place des chemins, on a été obligé de respecter plus ou moins des pentes limitées. Mmh. Et on a changé des réseaux qui étaient en étoiles par des réseaux qui étaient plutôt des anneaux. C'est-à-dire qu'autrefois, chaque village était relié à son village voisin par le chemin le plus court, le plus efficace. Ensuite, quand il a fallu faire des routes, évidemment, on n'a pas pu goudronner tous ces chemins, tout au moins au début, et on a fait des anneaux qui essayent de respecter à peu près les pentes. Ce qui a donné, justement, je crois, votre avis sur les points de vue. C'est-à-dire que ça a augmenté les points de vue, puisqu'en suivant les courbes de niveau, il y a des moments où on a forcément des points de vue, alors que parfois, en allant tout droit, on ne les a pas. Mais ça, ce n'était pas ma question. La question
concerne l'avenir de l'automobile qui actuellement vit des transformations profondes à deux niveaux, l'électrification de la motorisation et l'automatisation éventuellement de la conduite. Alors, juste une petite parenthèse, l'automatisation de la conduite, moi ça m'amuse parce que je trouve que c'est une façon de remettre un animal dans le véhicule. C'est-à-dire que les chevaux ne se cognaient pas, ils s'évitaient naturellement, plus ou moins, plus ou moins. Bon, ça c'est l'autre chose. Mais alors, sur les conséquences de cette évolution, et à trois niveaux, le premier, ce n'est pas notre sujet, c'est le bruit. Il va y avoir des conséquences sur le bruit très importantes, dans la mesure où on a des bruits uniformes et réguliers qui vont induire des phénomènes de résonance dans la ville, que pour le moment, j'ai l'impression que peu de gens envisagent. Mais sur les plans de circulation et les giratoires, dans la mesure où les critères de ces deux caractéristiques pour les nouveaux véhicules, c'est de tracer au plus court, puisque l'autonomie est quand même limitée, et d'être relativement intelligent, c'est-à-dire de savoir ce qui se passe devant, et plus ce qui se passe devant que ce qui se passe sur le côté. Or, un giratoire a de l'intérêt parce que les chocs sont latéraux et donc moins violents qu'un carrefour à 90 degrés. Or ça, les véhicules automatiques seront moins bien gérés qu'un obstacle devant. Donc pensez-vous qu'on assiste dans les années à venir à une remise en cause des plans de circulation pour privilégier les trajets les plus courts et non pas les boucles avec les interdictions de tourner à gauche, et une certaine suppression des giratoires qui vont être complexes parce qu'ils allongent le chemin et ils sont moins faciles à gérer pour les véhicules à conduite automatique? Vaste question. Alors, je vais répondre à ma façon, de façon partielle, et en espérant quand même donner quelques éléments. Ça pose plusieurs questions. D'abord, est-ce que je crois à l'innovation technologique qui fait que demain, on va transformer tout notre parc en électrique sans réduction de la mobilité et qu'on va arriver à savoir produire l'électricité pour tout ça? Je pense que déjà, on va voir si on tient au mois de janvier, même avec nos voitures qui ne fonctionnent pas majoritairement à l'électricité. Et deuxième question, est-ce que la voiture autonome est quelque chose qui est appelé à se développer? Bon, tout ça, moi, à titre personnel, mais ça a pas de, c'est pas mes recherches, c'est juste mon opinion, mes convictions, mais je suis plutôt dans la veine d'un Philippe Biwix dans l'âge des low-tech qui ne pense pas qu'il y a une issue technologique à la crise environnementale. Néanmoins, je suis un peu cette histoire de véhicules autonomes, notamment parce que mon école d'architecture appartient à l'université Gustave Eiffel, qui est composée notamment de l'ancien IFSTAR, ce groupe de recherche du ministère de l'écologie, et notamment des gens qui travaillent sur ce véhicule autonome. Et qui me disent effectivement qu'en gros, le giratoire, c'est le super test, parce qu'en gros, si un véhicule autonome, il s'y traverse un giratoire, c'est qu'il est très bien réglé, quoi. Alors, la question que vous posez plus généralement, c'est celle de... Enfin, c'est comme ça que j'ai envie d'y répondre en tout cas, de voir cette question-là, c'est de se dire quelles vont être les conséquences du véhicule autonome sur le dessin, le dispositif des voies. Là, j'étais tombé sur un article très intéressant du bureau Vraiment, je crois, qui avait bien posé cette question C'est-à-dire que si on est optimiste, on pourrait se dire que notre voirie a été encombrée, avec la massification de l'automobile après la guerre, de toute une série de dispositifs, glissières de sécurité, surlargeur, etc. À une époque, il y avait un concept qui s'appelait la route qui pardonne. C'est-à-dire qu'il fallait faire du surdimensionnement pour que si l'automobiliste rentrait chez lui un peu aviné, il pouvait quand même... Donc on avait ça avait conduit à faire des monstres, quoi, de l'infrastructure, à couper encore plus d'arbres, etc. Bon. Donc on a eu comme ça toute une voirie qui, après avoir favorisé la vitesse, a considéré que la vitesse était son ennemi parce qu'elle provoquait des accidents, et du coup il y a eu toute une armada de chicanes, glissières, etc., et d'éléments coercitifs qui ont été rajoutés. Et on pourrait se dire qu'avec le véhicule autonome intelligent, lui, il est beaucoup plus fiable, et donc il va éviter naturellement les accidents, et donc ça pourrait ouvrir la voie, un désaménagement de la voie, pour qu'elle soit plus simplifiée, etc. Donc ça, c'est les optimistes.
Après, ce qu'on observe et qui nous laisse être peut-être qui nous laisse un peu réservés sur ces perspectives optimistes, c'est que pour le moment, les premières expérimentations montrent que c'est super difficile pour une machine de repérer ce qui est une simple feuille qui traverse ou un enfant, etc. Je vais souvent dans le bois de Vincennes, il y a une petite navette autonome qui est là, ben, elle ne roule pas très vite hein, parce qu'elle s'arrête dès que le moindre. Et du coup, il y a des villes qui commencent à dire on va développer le véhicule autonome, mais qui commencent à le penser sur des voies dédiées, sur des voies bien séparées. Et là où certaines villes avaient fait un peu une forme de progrès en imaginant des surfaces qu'on appelle surfaces capables, maintenant c'est un terme qui gomme un petit peu la ségrégation fonctionnelle en raison du ralentissement des vitesses 50, 30, voire même zone de rencontre en ville, là, le véhicule électrique, disons dans sa phase expérimentale au moins, amènerait non pas un allègement des accessoires techniques de la voie, mais au contraire, un renforcement de ces accessoires-là. Voilà. Donc, moi, je suis... d'une part, je pense que ce n'est pas forcément les prochains... Enfin, je pense que dans 30 ans, je ne sais pas si on parlera de véhicule autonome comme on en parle maintenant. Je ne sais pas où on sera dans 30 ans. Et si on se déplacera, et si oui, comment. Et je crains qu'une approche un peu comme ça, technique, puisse quand même provoquer une sorte de recul dans une manière qu'on avait quand même un peu retrouvée à la fin du XXe siècle, au début du XXe siècle et au début du XXIe, de concevoir les voies en ville avec un certain désarmement quand même de la voirie. Mais une fois encore, là, je ne suis pas spécialiste du sujet, c'est que mes observations. Dernière remarque. Alors, il y a deux personnes. Oui. Alors d'abord, merci beaucoup pour cette synthèse qui est passionnante. Moi, je suis arrivé ici par hasard parce que je vais visiter là-haut une autre exposition et j'ai trouvé le sujet intéressant. J'ai deux questions rapides. La première, c'est au regard de tout ce que vous avez expliqué, les différents corps de métiers convoqués, etc. Quelle est votre réflexion sur la requalification de l'axe majeur qui relie l'Étoile, le Louvre à la terrasse de Saint-Germain et aujourd'hui la porte Maillot à la Défense. Et la deuxième, c'est, vous avez parlé à un moment des anciennes fortifications, il y a celle de 1871 qui a été abattue pour donner lieu au périphérique. Il y a d'énormes polémiques sur l'usage et la transformation dans les 20-30 prochaines années de cet axe qui est une autoroute urbaine. Quelles sont vos idées à la lueur de... Voilà. Très bien. Alors, j'ai plus de réponses sur le deuxième sujet que sur le premier parce que je ne connais pas précisément ce projet-là. Le premier dont vous parlez, enfin, je sais qu'il existe, mais je ne l'ai pas regardé. Je sais qu'aujourd'hui, il y a quand même effectivement, pendant très longtemps, le travail de requalification des voiries après l'automobile, passé par une phase un peu culturaliste qui revisitait les modèles historiques, etc. Maintenant, on doit aussi penser ces transformations à l'aune de la crise énergétique avec des imperméabilisations, etc. Ce qui rend la chose à la fois passionnante et plus difficile, puisque ça oblige souvent à s'écarter des modèles historiques qui n'étaient pas forcément en soi toujours vertueux, ou en tout cas à penser les choses un peu différemment en termes, par exemple, le fait de ne plus planter les mêmes espèces et aussi trouver de nouvelles espèces adaptées au changement climatique. Ça, de manière générale. Je développerai plutôt sur le deuxième point, la question du périphérique. À la précédente campagne municipale, il y avait un candidat qui s'est retiré entre-temps qui proposait de détruire le périphérique. Donc c'est vrai que je trouvais ça un peu absurde parce qu'effectivement, on n'efface pas le périphérique. Donc je pense que déjà la réflexion mériterait à une fois encore, dissocier les usages et dissocier ce qu'on fait des usages et ce qu'on fait de la forme. Je pense qu'on gagnerait déjà à séparer ces choses-là. C'est-à-dire qu'on peut enlever l'automobile du périphérique sans détruire le périphérique. À partir de là, je pense qu'il y a quand même une chose aujourd'hui que j'ai vu moi changer, mais même si je ne suis pas spécialiste du tout de cette question, mais à une époque, un des risques, on va dire, c'est que le phénomène de tout transformer en boulevard urbain, c'est-à-dire considérer que toute la voirie urbaine a vocation à avoir une circulation apaisée et du coup rejoindre le modèle du boulevard, c'est-à-dire être épaulé par du bâti riverain. Il me semble qu'il y aurait un danger à considérer que l'apaisement des vitesses sur le périphérique et le changement de nature des flux avec, pourquoi pas, des passages piétons, des choses comme ça, enfin, une modification de son fonctionnement,
ne faudrait pas penser que ce soit l'occasion de rendre constructibles forcément les abords du périphérique. Parce que je pense qu'aujourd'hui, pour le dire vite, je pense que, pour le dire de manière courte, j'imagine plutôt un avenir du périphérique qui se transformerait plus en parkway qu'en boulevard. C'est-à-dire qu'une ville comme Paris, très artificialisée, qui a très peu de systèmes de parcs, devrait conserver au maximum l'écrin paysager là où il reste. Du bord du périphérique. Et donc je pense que la mutation du périphérique, avec une modération de l'automobile, etc., et une part plus large à d'autres modes de déplacement, devrait se coupler avec une réflexion d'aménagement qui vise plutôt à renforcer la nature paysagère du périphérique. Voilà. Même si je sais que c'est toujours pratique de trouver des terrains à construire pour financer tout ça, mais là, je pense que c'est l'échelle du Grand Paris qui doit permettre de réfléchir à ces choses-là, sinon même l'échelle nationale, puisqu'on a quand même un territoire où il y a un très fort taux de vacances dans des tas de villes, et donc il faudrait peut-être aussi penser à agir de cette manière, et que les métropoles n'ont peut-être pas vocation à se densifier à l'extrême. Et donc peut-être... peut-être moratoire sur certaines marges paysagères du périphérique. Très bien. Une autre question par ici. Merci pour la présentation. Vous avez peu parlé des revêtements de sol. Je voulais savoir si jamais il y a eu un changement des revêtements de sol lors de l'arrivée de l'automobile. Ah oui, très bonne question. C'est essentiellement comme ça que les premiers congrès de la route ont abordé la question de l'automobile, enfin de l'infrastructure. Ils ont dit en gros... les automobiles sont faits pour être sur nos pour circuler sur nos routes historiques, et donc simplement, enfin essentiellement, c'était des questions de revêtement, leur souci. C'était d'éviter la poussière, etc., des anciennes chaussées. Et donc le goudronnage, l'enrobé, ça a été la première conséquence de l'arrivée de l'automobile. Mais par exemple, dans ces congrès-là, on vantait les mérites des arbres d'alignement historiques. On ne pensait pas les supprimer. Donc, c'était essentiellement des questions de revêtement qui ont marqué. Et puis, le reste, l'effort d'interface a été supporté par le véhicule lui-même, par les pneumatiques, par exemple, qui sont venus comme ça encaisser les choses. Et aujourd'hui, il y a, à mon avis, deux grandes questions. Deux choses. Pour les premières autoroutes, les pays qui ont dû construire des routes à partir de rien du tout. On fait plutôt des chaussées en béton. Les parkways américains et les autobahns allemands, c'est des dalles en béton qui sont d'ailleurs extrêmement... Alors, je ne suis pas sûr qu'on continue à faire beaucoup d'autoroutes et de routes en béton aujourd'hui, mais il y a une certaine force plastique de ces éléments-là. Et sur les questions aujourd'hui, je pense qu'il y a deux questions qui sont très... importante sur le revêtement, qui est la question acoustique, puisque le véhicule électrique va réduire le bruit du moteur, mais ne va pas réduire les bruits de frottement, qui sont souvent l'essentiel du bruit produit par une automobile quand elle roule à moins de 60 km à l'heure, je crois. Donc il y a ça, et puis il y a l'effet albédo, puisque si on veut réduire les effets de canicule, etc., l'idée serait massivement d'appliquer des revêtements très clairs sur les chaussées aujourd'hui. Très bien, tout ça est passionnant. Je pense qu'à une dernière. Allez, une dernière. Merci. Merci pour votre présentation. En fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous avez démarré avec Versailles et vous avez fini avec le rond-point. Et du coup, je pensais à cette histoire du rayonnement du roi soleil et du coup, du rapport du pouvoir avec la voix. Et c'est une question que je me pose, c'est quel est le rapport des voix avec le pouvoir. Et l'autre, c'est est-ce qu'on a déjà pensé au retour du cheval en ville ? Voilà, c'est, alors, ouais, pourquoi, c'est très... pourquoi on pense à la technologie et pas au... Je veux dire, on pense tous à des histoires de compost et tout ça. Vous parliez du caca des chevaux. Les rejetements des voitures sont encore pires que le caca, moi, je pense. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour faire du compost, il nous faut des chevaux, peut-être.
Voilà, c'est alors, la question, les routes politiques, etc. Moi, ce qui m'a, il y a toute une littérature historique qui accorde beaucoup de place à l'interprétation politique, l'idée, c'est-à-dire que le matériel ne serait que le reflet du politique, c'est-à-dire à Versailles, l'étoile, c'est le roi soleil, le pouvoir absolu, centralisé, tout correspond. C'est une réalité, enfin, c'est une grille de lecture tout à fait opérante, mais moi, ce dont je me suis aperçu, c'est que c'est très étrange. Quand on étudie véritablement les raisons pour lesquelles on fait telle forme, il y a souvent plein de raisons. Par exemple, pourquoi y a-t-il des étoiles dans les forêts de chasse ? Il y a des explications qui sont liées aux techniques d'arpentage, qui nécessitaient un point de vue particulier et des lignes de visée. Mais après aussi, par hasard, c'est très adapté à la chasse à courre, qui demande des points de ralliement, des points d'observation. Et puis, quand le gibier est pris en chasse, il revient à son point de départ. Et donc, c'est très facile au chasseur de revenir au moment où la chasse a commencé. Et donc, on a comme ça des je découvre tout le jour des sortes de coïncidences, des doubles raisons qui expliquent les formes. Et j'en ai dit deux mots à propos, quand je comparais les parkways de Roosevelt aux autobahnes d'Hitler, c'est que, effectivement, quand on regarde les formes, eh bien, on s'aperçoit, non pas qu'elles n'ont pas de rapport avec le politique, mais qu'il n'y a pas une correspondance absolue. La forme raconte des choses et puis reste disponible à différentes appropriations. Et c'est pour ça que le côté très centripète, mise en valeur des giratoires, à partir d'un certain temps, surtout servi des questions circulatoires. Et moi, quand je disais à l'époque, oui, mais en potentiel, ça peut aussi être un lieu visible de tous, non accessible, etc. Et c'est ce qu'ont fait les Gilets jaunes, quoi. Donc, je trouve que enfin, les métiers de la conception, je ne sais pas si vous êtes architecte ou paysagiste ou pas du tout, mais on est assez habitué à ça, quoi. C'est-à-dire que... Voilà. Sur le cheval en ville, alors je ne vais pas vous répondre, je vais vous répondre un peu par une anecdote et un détour. Il y a une diapo que je montre souvent sur l'avenir des routes. C'est une, après des visions futuristes de soucoupe volante ou de véhicules autonomes, je montre une vue de 73, mon année de naissance, mais ce n'est pas pour ça que je la montre, d'une autoroute aux Pays-Bas. En 73, on était à l'époque du choc pétrolier, et le week-end, les Pays-Bas avaient interdit l'usage de l'automobile sur les autoroutes, et on voyait des personnes à cheval sur des charrettes emprunter les autoroutes. Voilà. Et donc, c'est peut-être une des visions de l'avenir, effectivement. Merci. D'autres questions ? Oui. Par rapport à ça, il y a un livre très intéressant qui s'appelle « Le Grand Paris après l'effondrement » et qui parle justement de ça, du retour de la traction animale et de l'organisation de toute l'agriculture autour des biorégions et de comment la ville pourrait être organisée. Oui, par Momentum, c'est ça ? C'est Momentum qui a fait ça. Ouais. Et on sera bien content d'avoir des autoroutes pour faire circuler les chevaux. Je pense que ça sera très adapté. De telle manière qu'on est très content d'avoir des anciennes voies de chemin de fer pour y faire passer des véloroutes, par exemple. Moi, j'avais juste une remarque en forme de question, justement sur ce rapport du chemin de fer et de la route, parce que vous n'avez pas du tout parlé des tramways. Mmh. Et de la façon dont les tramways ont quand même servi, et ont servi notamment aujourd'hui dans le Grand Paris, à requalifier un certain nombre de voies, et avec, en y ramenant notamment, y compris de l'herbe, etc. Quoi. C'est-à-dire des choses qui étaient très très loin de la conception d'origine, et des routes nationales, et des grands boulevards parisiens. Je me demandais pourquoi cet oubli. Oui, mais faute... Alors, une mauvaise raison, c'est qu'en fait, souvent, on a assimilé pendant très longtemps la question de l'espace public et des trucs au tramway. Enfin, en France, le tramway a été surenseigné, surétudié, en référence à des très excellents travaux de François Lainé sur ce sujet. J'aborde effectivement cette question des tramways dans mon livre, dans la partie, justement, cette partie intermédiaire de comment fait-on passer la locomotion mécanisée en ville, et pendant un moment, il y a le tramway, notamment le sorte de tram-train de Soria Imata, qui est pour lui à l'origine d'une utopie urbaine qui est la cité linéaire, qui est basée véritablement là-dessus. Donc, effectivement, c'est un moment spécifique du chemin de fer qui, après, va connaître effectivement un renouveau en France. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va parler du tramway à la française.
Et la particularité du tramway à la française, c'est que, de ce que je sais, en tout cas, dans les premières tentatives, le report modal n'est pas massif. C'est-à-dire, tout au mieux, ça stabilise l'augmentation du recours à l'automobile. Mais en revanche, c'est le prétexte pour venir requalifier la voirie, pour venir supprimer les places de stationnement et pour faire du façade à façade. Et c'est vrai que moi, j'ai été très marqué par exemple, le cours des cinq atotages dans les années 90, qui fait partie des réalisations pionnières avec Fortier, Italo Rota, qui a été vraiment un moment qui a servi, j'allais presque dire, de prétexte à s'intéresser à l'architecture de la voie. Cours des 50 otages, qui a été aussi le lieu d'expérimentation des doubles mini giratoires, d'ailleurs, on l'oublie. Voilà. Merci pour toutes ces questions qui se complètent les unes les autres et qui complètent complètement la conférence de ce matin. On a aussi des questions en ligne, mais c'est vrai que la question là, c'est un petit paragraphe, donc peut-être on va te la soumettre après la conférence. Un grand merci pour cette conférence et oui, je vais vous faire plaisir. Simplement la prochaine, je vous indique juste la prochaine conférence, c'est le 10 décembre. Ce sera donc avec OGI, un bureau d'études VRD qui a longtemps travaillé avec les paysagistes, qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Et donc, finalement, on va suivre un petit peu ce sujet infra avec ce bureau d'études. Et un rendez-vous festif aussi, le bal des paysagistes le 2 décembre. On va faire la remise des diplômes des étudiants de l'école de paysage de Versailles. On accueille aussi l'école de Blois, de Les Sages, puisque c'est une action Île-de-France, et le bal des paysagistes à la Maison de l'Architecture. Donc c'est un moment de rencontre aussi entre les étudiants, les professionnels, les paysagistes et surtout tous les amoureux du paysage et professions avec qui nous travaillons. Merci.